soit de plus en plus au standard du ciel. Oh oui, réellement, cette saison qui est une synchronisation entre les choses qui sont dans le ciel pour nous et la manière dont nous les vivons sur la terre. Seigneur, qui est réellement une remise à niveau. Seigneur, entre les choses que tu as dites de nous. Seigneur, est-ce que nous devons vivre sur la terre? Et nous sommes là devant toi. Seigneur, merci pour la transformation de nos vies. Merci pour le changement dans nos vies. Merci pour les mentalités qui sont renouvelées. Merci pour les cœurs qui sont guéris. Seigneur, merci, oui, pour les vies qui sont changées. Oh Seigneur, merci pour ma vie que tu transformes en cette semaine. Oh Seigneur, oui, ce n'est pas une transformation qui mettra du temps à se voir. Mais déjà en cette semaine, Seigneur, oui, que nos progrès, Seigneur, soient connus de tous. Seigneur, que le changement que tu accomplis dans nos vies soit visible aux yeux de tous. Oh Seigneur, qu'une personne qui avait la langue facile se voit être transformée, Seigneur, en cette semaine. Oh, qu'une personne qui avait de l'amertume dans son cœur se voit être transformée. Qu'une personne qui avait une mentalité de médiocrité, oh Seigneur, se voit être transformée dans ses idées, se voit être transformée dans la manière dont elle se voit, dont il se voit. Oh Seigneur, qu'une personne qui n'arrivait pas à te faire confiance pour l'avenir, pour les projets que tu as pour lui, pour elle. Oh Seigneur, oui, aie un regard nouveau dans sa relation avec toi. Seigneur, puisse prendre ta main et te suivre. Seigneur, puisse prendre ta main et te suivre. Accepter d'embrasser les desseins que tu as pour nous. Oui, bien-aimé, élève ta voix encore en ce moment. Et prie, oui, librement tu peux prier. Tu sais les paroles que le Seigneur t'a données jusqu'ici. Tu sais ces choses-là, oui, qui sont spécifiques à ta vie. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Par rapport à toutes ces paroles que nous avons reçues, par rapport à toutes ces choses qui nous ont été enseignées, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et pendant un moment prie le Seigneur. Shekataya darabaso korobo shete, erataya basanta karabashete le bébé. Seigneur, que ta parole soit encore comme ce marteau qui viendra briser les raisonnements, Seigneur, en nous, qui viendra briser les philosophies, Seigneur, qui viendra briser tout ce qui n'est pas de toi en nous. Oh Seigneur, mais que ta parole aussi soit comme ce baume, Seigneur, qui viendra pour consoler. Oh Seigneur, non, ta parole ne vient pas pour nous accuser, elle ne vient pas pour nous incriminer, mais elle vient pour nous permettre de connaître ce qui est vrai et ce qui doit être notre réalité. Oh, c'est ce que ta parole fait. Seigneur, elle vient nous dire quels sont les standards auxquels nous devons aspirer. Elle vient nous dire quelles sont les choses que nous devons demander. Oui, ces choses qui contribuent à notre paix, ces choses que tu as prévues en avance pour nous, avant même que nous ne soyons là, Seigneur. C'est pourquoi nous nous ouvrons à toi. C'est pourquoi ce matin encore nous ouvrons nos cœurs à toi. Puis est-ce que tu peux aussi prier pour la disposition de ton cœur en cette deuxième session de ce jour? Prie pour ton cœur encore en ce moment. Oh, ne t'attends pas à une certaine manière de faire. Oh, ne te dis pas, on viendra peut-être juste nous dire certaines choses. Ne te dis pas, oh oui, moi je n'ai peut-être pas de questions. Non, ne te dis pas ça. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu, à ce qu'il veut faire. Il pourra te toucher au travers d'une simple parole, au travers d'une mélodie. Oh oui, on pouvait le chanter, mélodie venue du ciel. Oui, c'est une mélodie qui est capable même de transpercer les profondeurs de ton cœur afin de faire une œuvre divine en toi. Alors élève ta voix et prie pour ton cœur. Prie pour une réelle disposition de cœur, plus que ce que tu as fait le matin, plus que l'état dans lequel ton cœur était le matin. Prie encore pour ce cœur, prie encore pour ce cœur qui doit recevoir la semence de Dieu, qui doit recevoir la semence afin d'être transformé. Oh Seigneur, nous te présentons nos cœurs, nous te présentons nos cœurs. Oh Seigneur, oui, nous venons même te présenter, Seigneur, ces pensées-là qui parfois font obstacle à ce que nous puissions recevoir les choses que tu as pour nous. Oh Seigneur, nos cœurs sont disposés, nos cœurs sont disposés, nos cœurs sont désireux, Seigneur, d'entendre une parole de ta part. Seigneur, mets en nous la soif et la faim d'entendre une de tes paroles, d'entendre cette parole qui donne la vie. Pierre pouvait le dire. Acquérions-nous, Seigneur,
qui est en nous, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui transforment. C'est toi qui as les paroles qui vivifient. C'est toi qui as les paroles capables de bouleverser le monde. C'est toi qui as ces paroles capables d'apporter un changement radical. Seigneur, c'est toi qui as cette parole capable de nous convaincre. Capable de nous convaincre. Oh Seigneur, ta parole nous dit que toute écriture est utile. Oh Seigneur, qu'elle vienne nous convaincre. Oh Seigneur, qu'elle vienne nous transformer. Qu'elle vienne nous encourager. Qu'elle vienne nous libérer en ce moment. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et prier encore pour les serviteurs de Dieu, oui, comme la providence pouvait nous le dire. Ce sont des temps qu'ils passent, non seulement dans la prière et dans la présence de Dieu, mais ils passent aussi le temps à pouvoir s'instruire afin de nous communiquer une parole efficace, une parole qui viendra réellement répondre à ton besoin. Alors, est-ce que tu peux prier encore? Oh, c'est un autre avantage de prier pour eux, parce que si nous ne le faisons pas, les choses qu'ils ont pour nous, ils ne pourront pas nous les communiquer. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour cette deuxième session de ce jour. Nous demandons ta sagesse, nous demandons ton intelligence. Que ces instants viennent éclairer l'esprit de quelqu'un et que quelque chose de nouveau soit déposé dans le cœur de quelqu'un ici parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es là et que tu veux encore nous amener plus loin. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut se rasseoir. Donc on a commencé depuis lundi. Le pasteur nous vient à parler de l'Esprit Saint et la multiplication. Ensuite, hier mardi, on a parlé de quoi le mardi? On a parlé de quoi? Non, il y en a un qui lève la main et qui répond. Quand vous répondez ensemble, vous racontez très souvent des bêtises. Qu'est-ce qu'on a? Hier, l'apôtre a parlé de quoi? Avant-hier, c'était mardi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Hein. Oh, donc ça finit demain. Oh là là. Avant-hier, on a parlé de quoi mardi? Capacité de quoi? Il est venu et puis il a juste dit capacité. Hein? À chacun selon sa capacité. Ça, c'était le matin. Ensuite, il a dit quoi? Non, même il n'y a même pas eu le matin, il y a eu l'après-midi. Parce que le matin, on avait prié. Et l'après-midi, le soir, il a parlé de quoi? Mardi soir. La mentalité de multiplication. Hein? Et le mercredi, on a parlé de quoi? Mercredi matin. Et mercredi soir, on a parlé de quoi? On a prié. Et ce matin, on a parlé de quoi? OK. Maintenant, cet après-midi, ne sortez pas vos Bibles. On va rendre pratique la Bible. Donc, je vais vous donner quelques indications pour que vous aidez à réussir votre vie. À vous de mettre les passages bibliques. Je pense qu'on vous a donné suffisamment de passages pour pouvoir en trouver pour compléter. C'est des trucs très simples. Hein? Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. D'accord? Au fur et à mesure qu'on va avancer, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions. Donc, ce que je vais vous dire là, je n'ai pas inventé, hein. C'est mon étude d'un livre. Donc, c'est à partir d'une de mes lectures que j'ai tiré tout ce que je vais vous raconter là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut lire. Quand tu ne lis pas, les gens pourront te mentir. Tu vas penser que non, c'est le pasteur qui a dit. Oh, ce n'est pas le pasteur qui a dit. Il y a une phrase que j'aime dire, je pensais que c'était un homme de Dieu qui l'avait dite. Oh, ce n'est pas lui qui l'a dite, c'est ce monsieur-là qui a dit cette phrase.
Mais il n'a jamais dit que c'était ce monsieur-là qui avait dit cette phrase. Sauf qu'il ne sait pas maintenant que je sais que ce n'est pas lui qui a dit. Vous voyez? Faut lire. Quand on lit, on n'est pas blasé par les gens. Les gens ne peuvent pas te mentir. Tu sais qui a dit quoi. Et dans quel cadre et dans quel contexte. D'accord? Donc, lisez. Ne lisez pas seulement les livres qui parlent de la Bible. Vous êtes dans un monde d'intellectuels, d'accord? Vous n'allez pas rencontrer que des chrétiens et de la culture générale. Et là, tu vas tomber dans un milieu où ils aiment les voitures. Il faut que tu aies un minimum de connaissances. Tu vas aller parler de quoi? Faut donner envie aux gens de t'écouter. Que tu aies un minimum de connaissances en économie, un minimum de connaissances en politique. Il faut suivre l'actualité. Ça ne fait pas le monde, mais bon, c'est important que tu saches ce qui se passe, les grandes actualités. On va commencer à te parler, donc, oh, il y avait un tel président, et puis tu es là comme ça. Hein, le président du Brésil, on dit non, ce n'est pas lui. On va dire le président de la Thaïlande. Il n'y a pas de président en Thaïlande, c'est un roi. Tu vois déjà ça là, tu as perdu l'investissement. C'est important. Lisez la Bible. La Bible va vous aider. Mais Dieu a inspiré aussi des gens pour qu'ils écrivent d'autres livres. Lisez aussi ces livres-là. D'accord? Donc quelques clés, je ne sais pas comment si c'est clé, peu importe le titre que vous allez donner, pour vous aider à réussir votre vie. Déjà, j'ai une question. Comment vous définiriez la vie? Si je vous demande la vie, c'est quoi? Vous allez dire quoi? Préparez-moi un micro. La vie, c'est quoi la vie? Arrêtez de murmurer avec le voisin, il n'a pas la réponse. Il n'aurait levé le doigt. C'est quoi la vie pour vous? Non, toi, tu ne réponds pas. Bon, ok. Ça commence mal. Comment vous voulez réussir quelque chose que vous ne pouvez pas définir? Et comment vous comptez impacter ces personnes-là? Quoi? Qui? Comment? Il est important de savoir votre but parce que cela va vous aider à ne pas vous écarter du chemin, quels que soient les obstacles. Si vous dites que mon but, c'est de faire quoi? C'est d'apporter l'évangile, moi, je ne sais pas à qui. Mais tiens, au pygmée. Comme ça, dès que les choses se présentent, on a parlé d'aussitôt. Tu pourras commencer à poser des actes concrets. Ensuite, réfléchissez aux conséquences des actes que vous vous apprêtez à poser. Atteindre les pygmées, ça implique quoi? Quelles sont les conséquences à long terme? Quelles sont les conséquences à court terme? Quelles sont les conséquences, pardon, à moyen ou à long terme? Tout ça, tu dois savoir. Ok, tu veux atteindre les pygmées, d'accord. Disons que tu arrives dans un village pygmée, tu leur annonces l'évangile et puis beaucoup se convertissent. Maintenant, s'ils sont rejetés par leur famille, tu fais quoi de ces pygmées qui sont rejetés? Il faut trouver une solution pour eux. Donc, vous voyez que aller annoncer l'évangile aux pygmées, ce n'est pas juste Jésus vous a sauvé, Jésus vous aime. Non, il y a des choses qui vont suivre après. Il faut que tu sois aussi préparé à assumer ces choses qui vont suivre après. Tu allais dire quoi? Non, Jésus est Seigneur et Sauveur, il va pourvoir en toute chose. Mais c'est toi qui les as mis dans ces problèmes-là. Si tu n'avais pas annoncé l'évangile, ils seraient restés dans les sorcelleries, habitant chez leurs parents. Donc, quand on annonce l'évangile aux gens, il faut comprendre aussi que ce n'est pas seulement que spirituel, c'est aussi quelque chose de sociétal. Il y aura un impact sur la société. Il y aura un impact sur l'environnement de la personne qui accepte l'évangile. Est-ce que j'ai les moyens de m'assurer que sur le plan sociétal, cette personne-là reste intégrée?
peux pas aller annoncer l'évangile aux gens et puis tu détruis tout et puis tu pars en disant non, il faut avoir la foi, fais confiance au Seigneur. Non. Encore une fois, c'est là qu'avoir l'argent, c'est important. C'est là que c'est important. Parce que tout ça, il faut l'argent. Le pygmée, pourquoi est-ce que j'ai réclamé les pygmées, moi? Bref, le pygmée qu'on va chasser de sa maison, là, il faut que tu aies les sous pour qu'il ait une maison. Il faut que tu l'aides à trouver un travail pour que lui et sa famille qui sont venus à Christ puissent continuer de vivre. Et ça, c'est des choses que vous devez intégrer dans vos projets. Quand je vais poser tel acte, voici telle conséquence que ça va générer. Et c'est à moi d'assumer cette conséquence-là. Qu'est-ce que je mets en place pour ça? Il ne faut pas être surpris en disant, ah, moi je ne savais pas que ça allait être comme ça. Non. Il faut réfléchir à toutes les éventualités. Vous devez ensuite apprendre à... Et on est toujours dans la première étape. Hein. Le premier point, c'était de connaître son but. Ensuite, de prendre le temps de la réflexion. Et toujours dans le prendre le temps de la réflexion, là, vous devez apprendre à évaluer vos priorités. Évaluer vos priorités et diviser vos tâches en fonction de leur importance. Tout ne doit pas se faire en même temps et tout ne peut pas être prioritaire et important au même niveau. On reste toujours avec les pygmées. Tu veux atteindre les pygmées. Ok. Toi, tu habites... Les pygmées, ils sont dans quelle partie du monde? Ils sont en Afrique centrale. Ok. Maintenant, toi, tu es en Afrique du Nord. Si tu veux atteindre les pygmées, quelle est la première priorité? Hein? Levez la main et puis vous parlez. Comme ça, vous assumez seule votre réponse. Quelle est la priorité? Pour aller où? Non, parce que quand tu me dis voyager, tu peux voyager pour aller au Bangladesh. Hein? Pour aller en Afrique centrale. Voilà. La priorité, c'est d'être là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Permettez que je dise, Jésus a voyagé. Il n'est pas resté au ciel pour nous sauver. Il est venu sur la terre. Les gens que tu veux aider, fais l'effort d'aller les rencontrer. Donc, tu dois aller là-bas. Donc, ta priorité, c'est d'avoir un billet d'avion pour arriver chez les pygmées. Tu vois? Parce que peu importe les projets que tu as, si tu n'es pas allé les voir, c'est pas resté sur papier. Et le fait même d'aller les voir va t'aider à... Ah, ok, ça, j'avais mis ça comme projet, mais en fait, quand je regarde l'environnement, c'est pas faisable. Donc, tu dois te rendre sur place. Maintenant, tu te rends sur place. Ensuite, les pygmées, ils parlent quoi? Ils parlent quoi? Teke. Chez vous, ils parlent quoi? Au Congo, ils parlent quoi? Vous passez de l'Afrique centrale, là, il y a une partie du Gabon, c'est le Teke, oui. Et puis, au Congo, ils parlent quoi? Okay. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir apprendre leur langue. Parce que tu ne peux pas aller chez eux pour dire que tu as venu prêcher en anglais ou en je ne sais pas quoi. Donc tu vas devoir t'imprégner de la culture pygmée. Pour que vous puissiez communiquer. Ça, ce sont tes priorités. Donc il faut que tu trouves, soit tu restes au Maroc, tu fais des cours en ligne de pygmée. Je ne sais pas comment ça se fait. En tout cas, tu trouves un moyen d'apprendre. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Voici mes priorités. Voici ce qui est important. Voici ce que je dois faire en premier. Parce que si je ne fais pas ça, je ne peux pas aller de l'avant. Et ça s'adapte à absolument tout. Que ce soit dans tes études, même pour ta journée de demain. Même pour la journée de demain, là, tu peux la planifier. Ne vous levez pas juste pour vivre. Selon ce que la vie va me présenter, je vais réagir. Non, ne réagissez pas à la vie. Non. Soyez déjà préparés. Et selon ce que la vie va vous présenter, vous allez ajuster.
Quand on a un programme, on ajuste son programme. Quand on n'a pas de programme, on réagit à ce que la vie va nous donner. Et très souvent, on réagit mal. Deuxième étape, ne vous dispersez pas. Tu dis que tu veux annoncer l'évangile aux pygmées. Va chez les pygmées. Oh non, on a pris l'avion. Quand on est arrivé, on a fait escale, à, je ne sais pas moi, en Mongolie. Je me suis rendu compte que c'était un joli pays. Je suis resté un peu là-bas. Non, tu as dit que tu partais chez les pygmées. Va chez les pygmées. Ne va pas après chez les pygmées, ni avant chez les pygmées. Va chez les pygmées. Beaucoup sont comme des enfants. Les enfants, vous savez, ils restent concentrés jusqu'à ce qu'une mouche là peut passer. Vous avez vu qu'un enfant est déconcentré. Un papillon passe, c'est fini. Tu as perdu l'enfant. Il n'écoute plus. Vous avez un objectif, restez fixé sur cet objectif-là. J'aime comment Jésus a dit à ce monsieur-là qui m'a établi, je ne suis pas venu partager l'héritage, je suis venu pour un but bien précis. Vous avez un but. Restez fixé sur ce but. Très souvent, les gens qui sont dispersés, c'est les gens qui n'ont pas de but. Je vais vous poser la question, quel est le but de votre vie? Qui saurait me répondre? Il y a une question là, il y a une phrase là-bas. Enfin, il y a une main levée. Oui, monsieur. Alors, la question de reprendre quel est le but de ma vie, c'est ceci. Le renouvellement sur le plan intellectuel, spirituel, émotionnel, social, du tout. Redis-moi ça un peu. Le renouvellement. Ça peut être ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est trop grand. Et que tu ne peux pas faire ça seul. Ça peut être ça. C'est trop vaste. Donc, trouve, peut-être que c'est mal dit, mais trouve le moyen de redire ça correctement. Sinon, si tu restes seulement que ça, tu vas te perdre. Parce que tu vas aller dans... Parce que relever sur le plan spirituel, émotionnel, intellectuel, social, ce sont des chemins qui, vraiment, ce sont des routes qui vont chacune, ça va se rencontrer quelque part, mais pas maintenant. Je crois que dans ce que Dieu t'appelle à faire, tu auras à toucher un peu de tout ça, mais c'est pas tout ça. Je vous ai déjà montré l'exemple du trousseau de clés. Qui n'a jamais vu cet exemple-là? Donnez-moi un trousseau de clés, s'il vous plaît. Pas avec deux clés, un vrai trousseau de clés. Si tu n'as que deux clés, la clé de l'appartement, de la porte, de l'immeuble, puis la clé de... Faut prier pour avoir un trousseau de clés sérieux. Voilà. Voici un trousseau de clés sérieux ici. Voilà. Je reste sur son exemple. C'est son trousseau de clés. Donc, c'est ce que Dieu lui a dit. Le Togo, relèvement spirituel, c'est une clé. Relèvement émotionnel, deux clés. Relèvement intellectuel, c'est la troisième clé. Relèvement quoi encore? Social, c'est la quatrième. Puis quoi d'autre? Relationnel, ça nous fait cinq clés. Vous voyez, donc son trousseau de clés, c'est ça. Tous les relèvements. Là. Le truc, c'est quoi? C'est que dans ce qu'il m'a dit, il ne m'a cité que les clés. Vous voyez l'espèce de rond qui est là? Il n'y a pas ça. Donc, c'est chaque clé séparée. Et faites l'expérience. Si tu as beaucoup de clés séparées, tu vas finir par perdre les clés. Ce qu'il a cité là, ce n'est pas le but de sa vie. C'est comment le but de sa vie va s'exprimer. D'accord? Maintenant, le but de sa vie là, c'est quoi? C'est le rond qui attache les clés là ensemble. Et il doit entendre le Seigneur lui parler de ce rond là. Ça, le rond là, c'est la vision, l'appel que Dieu a pour toi. Et puis les clés, c'est comment cette vision va s'exprimer. Maintenant, le porte-clés, là, c'est le Saint-Esprit. Il porte quoi? La clé. L'Esprit Saint te donne la vision. Et la vision, là, tu vas la découper en plusieurs clés. Donc, quand tu vas arriver face à une porte, tu sauras que ça, là, c'est l'aspect relèvement social du Togo. C'est avec cette clé-là que je dois travailler. Mais pendant que tu relèves socialement, les autres clés ne sont pas perdues. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours attachées au rond, qui est ta vision. Maintenant, toi, tu as les clés là.
Trouve-moi le rond. Ce qui est bien, c'est que tu as le Saint-Esprit et tu as les clés. Donc, tu vas facilement trouver le rond. D'accord? Lui, au moins, il a essayé quelqu'un d'autre. Profite en pause. Maintenant, c'est mieux que tu dises maintenant, au moins, c'est une bêtise qu'on va corriger. Plutôt que de te dire, non, je vais aller demander après à ma voisine. Ta voisine ne me sait pas. Sinon, elle allait lever sa main. Quel est le but? Oui, divine. Vous voyez, ça c'est précis. Ça tient en une phrase. Ça, c'est un but. La guérison des cœurs brisés. Ça, c'est un but. Maintenant, après, elle va découvrir les différentes clés qu'il y a dedans. Parce que guérir les cœurs brisés, c'est grand aussi. Hein, ça veut dire beaucoup de choses. Quelqu'un d'autre? Il y a une main qui s'est levée au fond là-bas. Shalom à tous. Shalom. Moi, c'est le frère. Cet enfant-ci. Oui, le frère Mauclair, dis-nous. Ma vision, c'est vulgariser l'information foncière et favoriser l'accès à un logement décent à tous les Gabonais. Attendez, n'applaudissez pas. Tu as dit quoi? Vulgariser quoi? Vulgariser l'information foncière. Non. Ça, c'est. Regardez quelque chose. C'est la même chose qu'à lui. Ce sont les clés. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que tu veux faire quelque chose et là, tu m'as dit comment tu comptes t'y prendre. Tu comptes t'y prendre comment? En vulgarisant l'information foncière pour que chaque Gabonais ait accès à un logement décent. Mais ça ne me dit pas ce que tu veux faire. C'est-à-dire, quand tu veux que chaque Gabonais ait un accès à l'accès à un logement décent, le but c'est quoi? Ok, moi je suis Gabonaise, j'ai accès à un logement décent grâce à toi. Et puis quoi? Tu vois, non? C'est-à-dire, et puis quoi? C'est-à-dire, le but de ta vie, c'est ce que l'accès à un logement décent va faire dans ma vie. Le but, ce n'est pas juste que j'ai un logement décent, mais c'est que par l'obtention d'un logement décent, j'ai accès à quelque chose qui est plus que le logement décent. C'est ça qui est le but de ta vie. Là, tu m'as dit comment tu comptes y arriver, mais tu ne m'as pas dit pourquoi. Je te donne un exemple. Je dirais, si je m'appuie sur ce que tu as dit là, le but que le Seigneur a assigné à ma vie, c'est d'aider le Gabonais à retrouver sa dignité sociale par la vulgarisation de l'information foncière permettant l'accès à un logement décent. Moi, c'est la prophétesse Désirée. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Très souvent, les gens ne savent pas comment. Toi, tu as déjà le comment. Demande-toi juste, quand je vais faire ça dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire, quel est le but ultime? Parce que le but ultime, ce n'est pas que les Gabonais vivent bien, aient une jolie maison et puis c'est tout. Non, c'est qu'ils retrouvent quelque chose qu'ils ont perdu. Et comment cette perte se manifeste dans leur vie? Ils habitent des quartiers délabrés. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils sont arrivés dans des maisons qui sont délabrées. Donc, si je les aide à retrouver cette chose-là, automatiquement, ils vont habiter des maisons qui sont correctes. Donc, trouve le pourquoi. Bon, moi, j'ai essayé de donner un pourquoi, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui doit te dire. Bon, après, c'est à peu près ça seulement. Je voulais utiliser ce terme-là parce qu'il est en vogue actuellement. Oh, c'est pas... Ça l'a dit, c'est l'histoire. C'est ce que Dieu t'a dit, mon cher. Même si c'est en vogue au pays, c'est ce que Dieu t'a dit. Ça va t'aider. Ça fera que tu ne perdras pas de vue le pourquoi. Donc tu sais que c'est ça que je dois faire. Et puis je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. D'accord? Je t'en prie, une dernière personne. On a une main. Bon, ok, deux dernières personnes. On a deux mains ici. Allô? Il y a une autre. Hein? Ok. Ne tape pas le micro. On ne tape pas le micro, on parle dedans.
Comme ça, si ça ne sonne pas, on sait que ça ne passe pas. Quand vous tapez, c'est agaçant. C'est bon, ça passe le micro? Le micro ne passe. C'est qui? Oui. Ok. Ça, c'est un but. Le relèvement des familles. Comment je peux formuler ça? La restauration, c'est la même chose. La restauration, oui. Restaurer, c'est remettre dans l'état initial. Relever, c'est la même chose aussi. Restaurer, rétablir, relever, c'est, la même, c'est le même principe. C'est que c'était tombé, et puis tu remets sur pied. Voilà. Donc, il tient à restauration. C'est la restauration des familles. En quoi avec les pères déjà? Qu'est-ce que les pères ont fait dans tout ça? J'ai oublié ce qu'il a dit. À travers les pères. À travers les pères, d'accord. La restauration des familles. Donc, si je dirais la restauration des familles gabonaises à travers le relèvement et l'établissement de la figure paternelle. Tu vois, ça c'est clair, c'est simple, c'est précis. Parce qu'on peut relever la famille d'une autre façon. Mais lui, Dieu lui a dit c'est à travers la figure paternelle. C'est bien. Une autre personne, on avait deux mains ici. Levez bien les mains là pour que les gens qui ont les micros vous voient. Ok. Oui, allô, oui, c'est qui? Levez-vous pour qu'on vous voie, yo, non, allô, c'est qui? Sortez de derrière le pilier que je vous voie. Je ne vois pas qui c'est. Moi, je dirais, mon but, c'est d'accomplir ce à quoi le Seigneur il m'appelle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est, je dis, c'est une réponse, c'est comme aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, notre but à nous tous là, c'est d'accomplir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse là, c'est ce à quoi le Seigneur, c'est de connaître ce à quoi le Seigneur t'appelle. C'est pas ça. C'est pas ça le but. C'est un moyen pour atteindre ce but. Quand Jésus dit, allez faire de toute la nation des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis il dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Là, ce qu'elle vient de me dire, là, c'est comme voici les miracles qui vont vous accompagner. Ça dit, voici un moyen par lequel vous allez permettre que les gens soient sauvés. Mais les miracles, ce n'est pas le salut. Ça dit, quand Dieu te dit, non, construis, bâtis, mets en place une association, ou une fondation, bref, qui va accueillir tout ce monde-là. Ok, demain, tu as des hectares et des hectares de terrain, tu as bâti, c'est joli, c'est bien. Tu as accueilli tous les orphelins du coin, tous les gens du coin. Et puis quoi? Vous essayez de pouvoir les intégrer, les former. Ok, ils sont tous formés, ils sont ministres. Et puis quoi? Vous voyez, ça semble simple hein, quand on dit comme ça. En fait, c'est parce que dans mon pays, j'ai vu plusieurs fois des filles rejetées, persécutées, et il y a certaines qui finissent par retourner en famille parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir, pour les aider. Donc ça m'a donné la pensée de ça m'a fait mal. Donc, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Donc, c'est l'idée qui est venue que je vais faire. Ça, j'ai compris. J'ai compris que c'est parti de... Ça, j'ai compris. Maintenant, moi, je demande, quand tu auras fini de construire toutes ces choses-là et que ces filles-là auront été insérées à la société, et puis quoi? Oui, qu'ils puissent connaître Christ, au fait. Je veux que tous ces gens-là qui vont venir là-bas, c'est, pour moi, c'est une façon d'annoncer Christ à ces gens-là. Donc, le but de ta vie, ce n'est pas de construire des orphelines. Tu veux leur présenter Christ d'une certaine façon. Et l'un des moyens, c'est de bâtir des orphelinats et des centres de réinsertion et tout ça.
Vous faites très souvent, merci, vous faites très souvent la confusion entre le moyen d'y arriver et puis ce que vous voulez faire. C'est pas la même chose. Micro, il y a une main ici. Levez bien les mains. Vous, si vous levez vos mains là, comme ça, comme... Bon, attendez d'abord les choristes. Là. Vous avez chanté beaucoup. Oui. Shalom à tous. Mm. Le but de ma vie, c'est le salut des âmes. Je vous ai dit de ne pas dire ça. Écoutez, je ne veux pas les Matthieu là-haut. Allez, non, je ne veux pas ça. Nous, on est tous en train de travailler dans Matthieu là. Allez, faites, on est tous dedans. Maintenant, je veux que chacun me dise de manière claire, sans mots spirituels. Hein? Ne me dites même pas au nom Jésus m'a dit. Je ne veux même pas savoir qui vous a dit. Dites-moi avec des mots sociaux et des mots. Comme discutons entre intellectuels. Laissons le côté spirituel là. Laissez l'esprit là où il est. D'accord? Je veux que votre cerveau et mon cerveau puissent se rencontrer et qu'il y ait un échange intellectuel. C'est ce que je veux. Parce que je trouve que vous vous cachez derrière le côté spirituel pour dire beaucoup de choses, mais vous ne faites rien du tout. Laissez, Dieu m'a dit, j'ai eu des rêves. Non. Vous et moi, on ne se connaît pas. On se rencontre dans un train qui va, je ne sais pas, on quitte, je ne sais pas où pour aller à où. Je suis investisseur. Donnez-moi envie de mettre mon argent dans votre vie. Et si vous me dites non, c'est pour le salut, je ne suis pas tenu en argent. Maintenant, si moi je suis bouddhiste, si je suis bouddhiste, parce que les gens qui vont investir dans ton projet là, c'est pas parce que tu es chrétien, parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce que ton projet tient la route. Mais il faut leur donner envie d'investir dans le projet en question. Donc je ne veux pas les réponses spirituelles, je veux des réponses sociales. Je vais dire ça comme ça, avec des mots simples. Oh non, non, Jean 4, laissez-moi les Jean 4 là. Donc tu me redis ce que tu as dit là. Le but de ma vie, c'est pour aboutir à ce résultat, mais c'est pour construire des crèches. Construire des crèches et aider les mères célibataires, garder ces enfants-là, pour que ces personnes-là, ces mères célibataires, reprennent les activités pour celles qui sont élèves ou étudiantes, pour qu'elles reprennent les cours. Et l'objectif que j'ai pour... J'écoute. Pour que ces personnes-là reprennent les activités, pour celles qui sont élèves, elles okay. reprennent les cours. Voilà. Tu vois, essayer à saluer des âmes déjà. Oui, mais l'intention que j'ai, c'est non, pour... Nous tous, là, même quand je vais aller construire un avion, l'intention, là, c'est que les gens soient sauvés. Ça, là, c'est le but que nous tous, on sait qu'à la fin, les gens soient sauvés. Celui qui va, le relèvement des pères, c'est pour que les gens soient sauvés. L'autre qui veut, le frère Mauclerc, qui veut donner des maisons aux gens, c'est pour que les gens soient sauvés. C'est pas parce qu'il aime les gens, c'est pour, bon, il les aime, c'est sûr, mais c'est pour que les gens soient sauvés. Donc, tout ce que nous allons faire là, du fait que nous sommes en fond de Dieu, c'est pour que les gens soient sauvés. Mais moi, je ne veux pas que vous me racontiez ça, je veux que vous me disiez clairement, simplement. Donc, ce que tu veux faire là, c'est le relèvement, par exemple, relèvement et réinsertion sociale des filles mères. Voilà, le but de ta vie. Maintenant, si tu as construit des crèches, des orphelinats ou des hôpitaux, ça, ça ne nous intéresse pas. Tu vois? Parce que tu me dis que tu veux construire des crèches. Si moi, je veux construire des hôpitaux, je ne vais pas te tenir mon argent. Quand vous nous dites comment, vous restreignez l'envie d'investir. Dites-nous ce que vous voulez faire. Hein? Quelqu'un d'autre? On va devant et puis on repart chez les choristes là-bas. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, le but de ma vie, c'est redonner au sein de la société la place que Dieu a pour la femme. Dieu, vous avez enlevé Dieu déjà. Redonner au sein de la société la place de la femme. Redonner sa place à la femme dans la société, c'est tout. Il y a une main au fond là-bas. Vous ne voyez pas les gens qui lèvent les mains là ou bien? Une main là, puis un là-bas. Bonjour. Moi, mon but, c'est assurer une bonne santé bucco-dentaire à ma population. En tout cas, la santé bucco-dentaire, là, c'est important. C'est très important. Son bucco-dentaire, là, seulement, c'est important. Moi, mon but dans la... C'est qui parle? Lève-toi, on va te voir. Quand vous n'êtes pas dans le détail, comment levez-vous comme ça, on vous voit? Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à relever l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est les histoires des cœurs brisés, là aussi. Je vais regarder quelque chose. Je vais vous aider à trouver le but de votre vie. Avant que vous ne racontiez encore, attendez d'abord. Vous allez réfléchir. Vous allez voir que c'est très simple à trouver. Regardez votre pays. Chacun a son pays dans la tête. Voilà.
dans votre pays là, quelle est la chose qui vous énerve le plus? Il y en a beaucoup maintenant. Ça dit, qu'est-ce qui vous énerve? Peut-être il n'y a pas de transport, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, l'hôpital, l'éducation, quoi encore, le vol, la corruption. Qu'est-ce qui vous... Ça dit, il y a beaucoup de... Toi, tu peux supporter les moustiques. Ce n'est pas un problème. Mais tu as horreur de devoir attendre 2 heures pour parcourir une distance qu'on doit faire en 30 minutes. Regardez quel est le problème social qui vous énerve le plus. Vous avez, non, attendez, vous avez trouvé ce problème-là. Vous avez trouvé pourquoi vous êtes sur la terre. Vous avez trouvé le problème-là. C'est pour ça que vous êtes là. Pour donner une réponse à ce problème-là. Baissez les mains. C'est pour donner une réponse. Vous voyez que tout à coup, brusquement, tu as gagné 5 années de « on va aller jeûner et prier ». Voilà. Le problème social qui vous énerve le plus, c'est le problème dont vous êtes la solution. C'est comme ça. Parce que vous êtes la réponse à quelque chose. Et c'est quelque chose qui est toujours dans votre environnement immédiat. Et votre environnement immédiat, c'est votre pays. Et très souvent même, ça se trouve même dans votre famille. Oui, on commence toujours à Jérusalem. Donc, le problème social qui vous agace le plus, c'est-à-dire quand tu te rends dedans, tu rentres en août, on va encore aller trouver les moustiques là-bas. Comment tu fais pour qu'il n'y ait plus de moustiques? Quand tu prends l'antipaludéen avant de partir chez toi, tu es fâché. Comment tu fais pour parcourir que le palud disparaisse? Comment tu fais pour que la salubrité, parce que c'est ça, le palud là, c'est pas la chose, c'est parce que c'est sale. Donc, comment tu fais? Commence à réfléchir. Comment recycler les ordures? Comment ouvrir des nouvelles décharges? Comment désengorger les décharges qui sont déjà là? Commence déjà à réfléchir à ça. Comment construire une centrale pour faire ceci, pour faire les déchets là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller prier, jeûner 50 jours. Ta nation, c'est ton problème. Qui a éclairé tout à coup brusquement? Merci Seigneur. Au moins, je n'ai pas parlé en fait. Ah, on continue? Oui. C'est ici où? Où est le micro? Oui. Tu ne parles plus, hein? Sinon, on va te suspendre, d'accord. Ok. Mon but, c'est la restauration du cœur de l'Église. C'est-à-dire? Ça me... C'est une image qui me... En tout cas, qui me fait beaucoup mal. En tout cas, au Gabon, hein, vraiment, au Gabon. La manière dont l'Église est représentée dans la société, la manière dont facilement on peut l'écraser juste parce qu'elle ne reflète pas réellement son identité. Et donc, ça, en tout cas, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et redis-moi ça un peu. Il y avait une affaire de cœur, je ne sais pas trop ça. Oui, du cœur de l'Église. Pourquoi du cœur de l'Église? Ce que l'on pense de soi-même, l'image qu'on a de soi-même, la manière dont on veut vivre, la manière dont on veut que les autres puissent nous voir, tout commence par le cœur. Lorsque je parle du cœur aussi, c'est pour un peu parler du fait que même la manière dont Jésus est dans l'Église, c'est vrai que quand on parle d'Église et tout, on a facilement l'image de Jésus en tête, mais au Gabon, c'est vrai que l'Église tourne autour de beaucoup de choses et parfois pas du tout autour du Seigneur. Donc, c'est par rapport à ça. Il y a Esther qui a levé la main là-bas. Il faut qu'on avance, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais essayer. Je dirais pour moi, ça c'est rebâtir les institutions politiques. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde l'escalade de conflits armés à l'est de mon pays, je me dis que c'est une question au niveau des institutions. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me dérange. Pourquoi je me dis, si on arrive à rebâtir les institutions politiques du pays,
cette situation finira par s'arrêter et la population congolaise qui a perdu sa valeur, sa dignité humaine, retrouvera cette valeur, cette dignité. Faut pas rebâtir les institutions. Faut les bâtir. On dit rebâtir quand c'était là avant. C'était là quand? Faut bâtir. Hein? On est en ligne? On est en ligne. Fallait me dire. Faut me dire. Je pense qu'on était entre nous. Bon, j'ai parlé de manière générale, hein. C'était pas visé. C'était un. Voilà. Faut toujours me dire qu'on est en ligne. Tu vas te faire chasser. Oui. Il y a une main, mais la chemise bleue, il y a une main bleue qui se lève là, c'est qui? Oui. Bon, moi, c'était plus une question. Vous avez parlé du fait que bon, le but est basé pour pouvoir trouver le but. On va voir ce qui nous énerve le plus. Maintenant, si tout m'énerve. Est-ce que le but que mon but d'avoir, c'est de tout améliorer? T'inquiète pas, tout nous énerve. Mais il y en a certains qu'on supporte mieux que d'autres. Tu vois? Il y en a certains qu'on supporte beaucoup mieux que d'autres. Moi, ce qui m'énerve chez moi, c'est comment les familles évoluent. Ça m'énerve. C'est ce qui m'énerve le plus. Mais j'aime pas aussi le fait que non, quand tu arrives, le coin est sale. Quand je vais chez moi, qu'il pleut, je ne sors pas. Parce que je sais que dehors, là, ça m'énerve. Tu vois? Mais je sais que si j'arrive à restaurer les familles, elles vont commencer à balayer leur maison. Elles vont plus jeter les ordures dehors. Donc, regardez quelque chose. C'est fait comment? Disons que tout ce coin-là, vous êtes de la même nation. D'accord? Et qu'il y a autant de problèmes sociétaux qu'il y a d'individus assis dans cette partie-là. Donc, Madeleine que voici, elle, ce qui l'énerve, c'est le transport. Il n'y a pas de transport. Et puis, sa voisine, elle, ce qui l'énerve, c'est qu'il n'y a pas de courant. Et puis, l'autre voisine, c'est elle, le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Et puis, l'autre, c'est le fait que non, au marché, vraiment, chacun vient avec ses prix, la flambée des prix. Ça dit, chacun a un problème de cette nation-là qui l'énerve. Si chacun d'entre vous arrive à faire changer le pays par rapport à ce point-là, tout le pays aura changé. C'est pour ça que tout peut t'énerver, mais tu n'es responsable que d'un seul. Parce que Dieu a déjà délégué d'autres personnes qui sont responsables des autres-là. Donc, quand tu vas rencontrer, par exemple, celle qui elle, c'est le courant qui l'énerve, il n'y a pas le courant. Quand elle va rencontrer, c'est l'eau, moi c'est l'eau même qui m'énerve. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Toi tu veux l'eau, moi je veux le courant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet pour qu'on ait l'eau et qu'on ait le courant? Elles vont penser à construire un barrage. Mais pour construire un barrage, il faut un architecte. Tu vois, il faut un architecte. Maintenant il faut trouver un architecte. Ah mais il y a une société là. Ah, en tout cas moi vraiment quand je regarde comment les barrages sont construits dans nos nations, je trouve qu'ils ne sont pas des barrages qui sont efficaces parce que ça ne tient pas. Chez nous il pleut beaucoup. Et quand il pleut les barrages cèdent. Moi je suis architecte, je suis spécialisé dans la construction des barrages. J'ai étudié au Japon. Tu vois, donc elle, son but là, le but de cette personne, c'est comment maximiser le potentiel hydroélectrique d'une nation. Donc les deux là vont s'associer ensemble, mettre un projet de barrage en place. Elles vont trouver cette personne là qui, elle, est calée dans la construction des barrages. Elles vont la trouver. Mais il faut trouver l'argent. Et il y a des gens, eux, leur spécialité là. Dieu leur a dit simplement, vous êtes des bailleurs de fonds. C'est-à-dire, il est comme toi. Tout l'énerve tellement qu'il a mis l'argent à côté. Il attend jusqu'à quelqu'un vienne lui dire non, moi je résous tel problème. Et puis il dit tiens, voici l'argent. Donc quand ces deux-là vont se mettre ensemble, trouver un architecte, trouver un bailleur de fonds, elles auront résolu quoi? Trois problèmes. L'eau, le courant, la qualité du barrage. Peut-être que tu es bailleur de fonds. Il faut que tu sois riche, ma chérie. Voilà. On avance, on vient un peu par là-bas. On va revenir un peu. Vous là, vous chantez, gardez vos voix. Vous chantez samedi. Oui. Moi, mon but dans la vie, c'est relever l'indépendance agronomique au Gabon en utilisant l'agro-informatique. Commencer par le Gabon et terminer par l'Afrique. Donc, l'agro-alimentaire, c'est ça? Oui, c'est un mélange d'informatique et agronomie. Maintenant, dans agro-agronomique, tout ça, bref. agro-alimentaire, tout ça. Quel est le mot le plus important? C'est pas agro, c'est alimentaire. Ça m'énerve. Voilà. Donc, ce qui t'énerve, là, c'est le fait que les gens ne mangent pas des choses de qualité. Tu vois? Ce qui t'intéresse, là, c'est l'assiette du Gabonais. Donc, ton but dans la vie, là, c'est de t'assurer que sur chaque table,
dans chaque maison au Gabon, les gens mangent sainement. Maintenant, tout ce qui est agro-machin, là, c'est le moyen. C'est comment tu vas arriver à ça, mais ce n'est pas ton but. Voilà. Allons derrière là-bas, on va aller comme ça, derrière. Et puis on va revenir chez les... Ah, il y a une question juste devant. Voilà, le multimédia, une question. Tu poses la question, ensuite tu donnes au multimédia. Pose ta question. Non, c'est toi, c'est de toi. Enfin, dis ce que tu peux dire, je veux dire. Je vais répondre. Vas-y. Bon, tu as changé la couleur des cheveux. C'était vert, non? Mais c'est pas toi. Qui avait les cheveux verts? Tu es d'où? Toi, tu es de quelle ville? Même je te parle à toi. Moi, les cheveux verts. Tu es de quelle ville? Je suis d'Agadir. Je t'ai confondu avec une de Jadida qui avait les cheveux verts. Tu peux vous ressembler. C'est pas moi. C'est pas toi. Oh, merci Seigneur. Oui. Vas-y. Bon, moi, mon objectif, c'est la restauration de l'éducation dans mon pays. Parce que la restauration de quoi? De l'éducation. L'éducation, hein? Oui, parce que dans mon pays, nous, on suit plusieurs façons d'éducation. Parce que nous, on suit plusieurs. Et aussi, tout est mélangé. Tout est mélangé. Et les filles, les garçons, on a les problèmes de la grossesse. Ok, trop d'accord. De grossesse et tout. Ah, donc toi, tu veux les séparer, quoi. Et aussi. Mais si tu les sépares, comment ils vont faire pour se côtoyer? Ça va être compliqué. Non, l'éducation, la façon on instaure l'éducation, oui. Ça fait que les garçons et les filles commencent à se... Ok, d'accord. Et on a créé une association déjà, nous les étudiants ici au Maroc, de mon pays, pour commencer à résoudre les problèmes. Ok, comment s'appelle votre association? C'est... En portugais. Dis-le, c'est pas grave. Bon. Ça veut dire en portugais. Dis en portugais. Dis-le. J'ai oublié. Bon, là, si je vais parler en portugais. Non, ne traduis pas. Dis-moi le nom en portugais. Bon, les noms, c'est les étudiants pour la réussite. Plus ou moins comme ça. Okay. Dis-moi le nom en portugais. Bon, c'est os estudantes de Maroc para o avanço do país. Mais voilà, avance où là, c'est avancement, l'avancement du pays. C'est ça, voilà. Elle voulait me mystifier. Association des étudiants au Maroc pour l'avancement du pays. Et puis tu voulais me faire chaud, toi aussi. Oh. Maintenant, tu parles d'éducation. Dans votre association, la première chose que vous devez faire là, c'est un état des lieux. Donc, vous devez savoir vraiment le niveau scolaire des gens là. Ils sont à quel niveau? Parce que les filles et les garçons qui vont ensemble pour faire des enfants, c'est une conséquence de quelque chose. Ce n'est pas d'abord ça le problème. Donc, il faut d'abord voir le niveau de chacun. Le niveau d'un Angolais. Tu es d'où? De l'Angola? Bissau, Guinée. Ça, ah ben voilà, le niveau moyen d'un élève qui sort d'une école de chez toi, c'est quoi? Comparé aux normes internationales. Ça, tu dois savoir. La formation des instituteurs, tu dois connaître ça. Et mettez en place quel programme, c'est-à-dire quand tu regardes Sao Tomé et Principe, quel programme vous pouvez mettre en place pour que les gens sortent de l'ignorance. Parce que ce qu'on vous enseigne là, c'est sûr que ça ne sert à rien. Et si tu veux changer l'éducation, tu dois connaître l'histoire de ton pays. Il n'y a pas d'éducation sans histoire. Tu dois connaître les forces de ton pays. Tu dois connaître les faiblesses de ton pays. Force sur le plan agricole, sur le plan politique, sur le plan militaire. Faiblesse dans tout ça. Donc en tout cas, tu as mis le pied dans quelque chose de gros. Du courage. Si tu réussis avec ton association, tu auras résolu la moitié des problèmes. Parce que la moitié de nos problèmes, là, c'est d'ordre éducationnel. Un derrière là-bas. Ah non, ici d'abord. Ici, la multimédia d'abord. Ils ont une question. C'était plus pour répondre à ce que vous avez dit, c'était améliorer le niveau alimentaire dans mon pays, okay. Au Congo. D'accord. Parce que je remarque que les Congolais, en général, pensent que la richesse est juste en dessous. C'est le Grand Congo. La RDC, plus précisément. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Grand Congo. L'autre, là, c'est petit. C'est pas une injure. Bon, le Congo, là, n'est pas plus grand que quel pays en Afrique. Voilà. Donc nous tous là, on est petit par rapport à la RD Congo. Voilà donc. Oui, parce que j'ai remarqué que la majorité des Congolais croient que la richesse est seulement sous le sol, mais le sol aussi est riche. Parce que je donne un exemple, c'est moi, on a la terre noire.
Et des fois, on avait à planter le jour même et la semaine d'après, ça produit quelque chose. Donc, je pense que c'est un domaine dans lequel un domaine qu'on néglige carrément. L'agriculture, c'est bien. C'est bien. Derrière, là-bas. Vous voyez, depuis, on est sur quoi? Le but de votre vie. Si vous arrivez à faire cet exercice-là, ça dit, pour l'instant, tu te dis, mais on fait quoi? C'est juste, c'est de la réflexion. Mais tu as résolu 90% de tes problèmes, si tu sais où tu t'en vas. Oui, David. Moi, je dirais rétablir l'intégrité. J'entends pas. Rétablir l'intégrité fiscale. L'intégrité fiscale, explique-moi tout ça. Parce que avec les entreprises et tout ce qu'il y a, les minerais, tout, normalement, l'impôt doit être une richesse première, comme ça l'est de cette nation. Mm-hmm. Parce qu'eux n'ont pas des richesses souterraines. Mm-hmm. Tandis que chez nous, l'impôt est déjà vilipendé et n'est pas pris en compte. Bon, pourquoi je suis parti sur l'intégrité fiscale? Parce que je me suis rendu compte que j'ai eu à faire un stage par rapport à la fiscalité ici. Et ils n'ont pas un système très solide, je dirais, avec des machines sophistiquées. Mais les entreprises payaient leur impôt normalement et puis les chiffres étaient quand même colossaux. Toi, tu veux lutter contre la corruption, mon cher. Il faut prier beaucoup. Et il faut être fort spirituellement. Si tu es en train de taper dans une ruche d'abeilles, comme j'aime dire dans nos nations, la corruption est un arbre dont les racines ne se trouvent pas en bas, mais en haut. Si tu as compris, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave aussi. Bonjour, prophétesse. Bonjour. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, par rapport à ce que vous nous avez dit... J'ai dit beaucoup de choses. Par rapport à la frustration, c'est ce qui nous frustre le plus dans notre pays. Et moi, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui est frustré à cause des inégalités sociales, et sachant que les inégalités sociales n'est juste pas impliquées par une institution, c'est plusieurs institutions qui sont concernées dans un pays, que peut-être le but de sa vie par rapport à ça, s'il faudrait bien l'orienter. Mais c'est ce que tu as dit là, c'est inégalité sociale. Mais, bon, du point de vue salarial, par exemple, le salaire n'est pas fixé juste par une institution. J'ai essayé de mener des recherches par rapport à ça. Par exemple, dans mon pays, il y a plusieurs institutions qui sont concernées. Et si toi, ton but, c'est de lutter contre les inégalités sociales, tu ne vas pas être dans toutes les institutions. Tu vas t'occuper juste d'une seule institution. Et le but de ta vie par rapport à ça, ça pourrait être quoi? Tu dois travailler avec quelqu'un comme David. Parce que pourquoi il y a inégalité? Parce qu'il y a corruption. Ça dit ce qu'on doit prendre pour payer, je ne sais pas, l'instituteur ou je ne sais pas quoi. Là. Ça rentre dans la poche de Génésel Troquet. Tu vois? Donc, si vous travaillez ensemble, on saura où l'argent part. Et quand on sait où l'argent part, on peut le ramener. Et là où on l'a ramené, on peut s'assurer qu'il est redistribué correctement. Donc, toi, tu n'as pas d'autre choix que de travailler avec beaucoup de gens. C'est comme ça. C'est un peu comme les bailleurs de fonds. Tu as trop de problèmes pour être seul. Parce que l'inégalité sociale, là, ça va être aussi à l'hôpital. Pourquoi on prend cette dame-là, qui est là depuis le matin, qui est venue accoucher, pourquoi elle est morte? Et puis quand la femme du ministre est venue, elle n'est pas morte. Alors qu'elle avait juste mal à la dent. Tu vois? Donc on a laissé la maman-là qui est venue accoucher mourir. On a fait entrer la femme du ministre qui est arrivée 3h, 4h après. Comment ça peut se passer? Comment on fait pour que ça nous... Pourquoi l'autre là-bas? Pourquoi à l'école? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a une éducation à deux vitesses? Les enfants qui habitent telle partie de la ville, ils ne parlent pas correctement français. Alors que ceux qui sont là-bas, et on va se rendre compte que souvent ce sont les mêmes profs, qui sont profs à l'est, qui sont profs à l'ouest. Mais pour tout ça, c'est comme ça. Tu as trop de problèmes, ma fille. Allons profond, il y a des gens qui sont derrière. Bonsoir, prophétesse. Je m'appelle Freddy. Bonsoir, Freddy. Mon but, c'est de redonner l'espoir aux personnes atteintes de cancer, surtout dans mon pays. Parce que, en fait, ils n'ont pas trop de... Les thérapies ne sont pas évoluées. Ça veut dire que quand quelqu'un diagnostique automatiquement un cancer, pour la personne, c'est automatiquement la mort. Or, ce n'est pas ça. Les thérapies ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des cancers qu'on traite plus facilement. Et pour ça, il faut avoir... je peux dire, une base où on peut donner de l'espoir à ces personnes pour leur dire que ça se traite et il y a des traitements pour ça. C'est pas ça ton but. Ton but, c'est de relever, de restaurer la santé chez toi. En particulier, tout ce qui est d'autres cancers. Voilà. Vas-y, quand tu vas envoyer.
Bonsoir. Moi, j'ai une question. Mm-hmm. J'aimerais savoir si c'est possible de mélanger, bon, de faire l'œuvre de Dieu tout en étant dans la politique. Mais c'est ce que j'ai fait, non? En fait, je comprends pas bien, en fait. Vu que j'ai mon père, lui m'a conseillé de ne jamais faire politique parce que le système politique de notre pays est corrompu. Mais, on va dire ça comment, j'ai un objectif dans ce sens et je suis contrarié et je n'arrive pas à faire la part des choses. D'accord. On est en ligne, je vais éviter d'aller contre ce que ton père t'a dit. Je dirais simplement ceci. Quand je lis le livre des rois, je me rends compte que chaque roi avait quelque part un prophète. Et je ne crois pas que l'Église et le politique aient jamais été divisées dans la pensée de Dieu. C'est quand on a divisé les deux qu'on a commencé à avoir des problèmes. Parce que là, il n'y a plus d'Église, pas pour contrôler, mais pour veiller à ce que les institutions politiques fassent les choses comme il se doit. Chacun commence à faire n'importe quoi. Et ça donne le genre de nation que nous avons. Où, voilà. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. On est en direct. Voilà, donc je crois que les deux peuvent se mélanger. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Et ça a beau être un milieu pourri, nous sommes la lumière du monde. Si on ne va pas là où c'est pourri, on va aller où? On ne va pas rester comme ça entre nous et puis non. On n'est pas fait pour rester entre nous pour briller. On doit aller dehors. C'est la lumière n'a de sens que là où il y a des ténèbres. Donc là où c'est ténébreux, c'est là-bas qu'on doit aller briller. Maintenant, demande à Dieu de donner la sagesse qu'il faut pour que tu puisses concilier les deux choses-là. Parce que c'est possible. Le micro est où? Bonsoir, prophétesse. En fait, moi, mon souci, c'est de relever les systèmes touristiques dans mon pays. Mm-hmm. Je viens d'un pays très vaste et hyper riche. On a presque tout, les eaux, la forêt, les animaux. Mais on n'a pas un système touristique bien, bien établi. Quand j'essaie de regarder les chiffres dans mon pays, c'est même pas affiché. Donc, rien n'est affiché. Par contre, si on tape le chiffre au Maroc, on voit tout. On tape en Algérie, en Tunisie. Par contre, nous, dans notre pays, on a des choses qui vaut plus que, par exemple, le Maroc ou la Tunisie. Ok, maintenant, moi, j'ai une question. Demain, tu as mis en place tout ce qu'il faut, la structure et tout ça, et puis les gens découvrent le pays, ils sont contents. Et puis quoi? Je vais t'aider à arriver au but de ta vie. Parce que ce n'est pas ça le but. Ça, c'est un moyen. Tu sais pourquoi tu veux que les gens visitent ton pays? Est-ce que tu sais pourquoi? Pour que ça nous rapporte plus de revenus. Si c'est juste l'argent, on peut vendre beaucoup de choses illégalement, on va avoir l'argent. Ok, les gens ont visité, tu as eu l'argent, et puis quoi? Ça nous ramène des investisseurs, et puis ça crée de l'emploi. Oui, ils sont tous venus, et puis quoi? Le pays est développé, et puis quoi? Ton but, ce n'est pas le tourisme, c'est de créer dans le cœur de tes concitoyens l'amour pour la patrie. Et tu sais que s'ils découvrent leur pays, s'ils découvrent ses beautés, ses richesses, ils vont l'aimer, ils vont l'apprécier. Et là où on aime et on apprécie, on investit. C'est tout. Parce qu'il y a les investisseurs, les plus grands. C'est parce que tu veux, c'est parce que tu aimes chez toi que tu veux que les gens viennent investir. Tu ne diras pas aux gens d'aller investir là où tu n'aimes pas. Le tourisme, là, c'est quand on aime son pays. On dit, regardez comme chez moi, c'est joli. Venez voir aussi. Et pour ça, pour que d'autres puissent venir voir chez toi, il faudrait que déjà toi et les tiens, vous aimiez déjà le pays et que vous-même, là, vous alliez voir. C'est tout. D'accord? Merci, prophétesse. Allez, on remonte, on va là-bas. Il y a une main derrière toi. Il y a une main derrière toi. Commence au fond et puis tu remontes. Ça va t'éviter de faire des allées-venues. Bonsoir, prophétesse. Donc, moi, je fais partie de ceux-là qui a beaucoup de choses dans notre pays qui nous dérangent. Donc, comme le côté fiscal et tout. Mais particulièrement le côté où on n'a pas vraiment beaucoup de sorties au niveau de notre pays. Donc, beaucoup de quoi? Beaucoup d'opportunités qu'on offre sur notre pays. En gros, Made in Congo. En gros,
produire des produits pour le Congolais, pour le Congo. Par le Congolais et avec... Voilà, okay, exactement. Hein. Et particulièrement le côté alimentaire, comme mon frère Daniel a dit. Un, voilà, oui, voilà. Oui. Et côté agroalimentaire, donc une autosuffisance sur ce côté-là. Et donc pouvoir à ce que tout le monde puisse bien se nourrir et pourquoi pas importer, exporter plus sur ce côté-là. Il y a quelqu'un qui avait parlé de ça quelque part ici. Ouais. Non, il y a toi et puis il y a juste à côté agroalimentaire et informatique, là, c'est la même chose. Non, pas l'informatique. Non. Mais tu peux travailler avec elle. Non, écoutez quelque chose. C'est important parce que tu le veuilles ou pas, tu auras besoin d'elle. Quand tu as créé tes nouvelles recettes, tu as eu des plantations, tu as planté des fraises, tu as planté des manchés, comment on saura si tu plantes les fraises à Bukavu? Comment celui qui est, je ne sais pas, à Kinshasa saura? Tu as besoin d'informatique? Oui, c'est vrai. Mais moi, mon anglais sur les questions... C'est ce que je viens de te dire là. Que les visions que vous avez là sont imbriquées les unes dans les autres. Aucun d'entre vous ne va réussir sa vision s'il ne s'intéresse pas à ce que l'autre va faire. D'accord. Merci. Mm-hmm. On va remonter. Mais vous en pas, remonter. Bonsoir, profitez. Bonsoir, Magda, ça va? Oui, ça va. Je veux dire mon but et puis poser une question. Mon but, c'est d'apporter un plus à l'éducation de mon pays. Parce que pour moi, le relais d'un pays repose sur sa jeunesse. Sur sa jeunesse. Et si cette jeunesse est mal formée, le pays ira vraiment mal. Et c'est un peu ça le but. Pour la question, dans mon cas, j'aimais et j'aime toujours les affaires. J'ai toujours aimé les affaires. Et la vision, cette vision que je viens de donner, elle est due au fait que j'aime pas le système éducatif du pays actuel. Et c'est ça qui a créé cette frustration en moi. Et lorsque je regarde ces deux, j'ai l'impression que c'est un peu opposé au fait. Parce que l'autre, c'est les affaires et là, c'est l'éducation. Est-ce que le but est toujours relié à la passion, si je peux dire ça comme ça? C'est comme le porte-clés là. Ok. Donnez-moi ce porte-clés là encore. L'éducation, relever l'éducation, enfin tout le blabla que tu as raconté là. Et puis il y a beaucoup de clés dedans, donc tu vas acheter des livres et tout ça, et puis il y a les affaires. Pour relever l'éducation, tu penses qu'on relève ça dans la bouche, tu as besoin d'argent. Et puis quand tu... Je prends un exemple. Moi, je suis appelé à travailler avec la famille. Mais j'aime les affaires. Et demain, je sais que je vais avoir des business sérieux. Ça va servir à quoi? Vous là qui voulez, je pense qu'il y a celle-ci, il y a une autre là-bas, qui voulait au nom recueillir tous les paumés du quartier là. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez les recueillir comment? Hein? C'est pour ça que quand tu as une vision, commence à réfléchir à comment j'y arrive. Tu veux réformer l'éducation. Mais imagine que les bailleurs de fonds de ton pays, là, eux, ils aiment commencer en ce moment parce que ça les arrange. Ils ne vont pas financer ton projet. Mais si toi-même, c'est pour ça que moi je pense que les gens qui doivent faire la politique de nos pays, là, c'est des gens qui sont déjà riches eux-mêmes. Si tu es pauvre, pas faire la politique, ça veut dire que tu es venu pour voler. Si faut pas que j'oublie qu'on est en direct. Si toi-même, tu as déjà tes business, c'est avec ça que tu vas, comme on dit, tu seras ton propre bailleur, tu vas autofinancer ton projet. Donc les deux peuvent aller ensemble. Il n'y a pas de problème, les deux peuvent aller ensemble. Il faut que tu trouves, mais il faut que tu sois équilibré. Tu ne pourras pas gérer et les affaires et l'école. Il faut que tu trouves de bons gestionnaires à qui tu vas confier les affaires. Parce que le plus important, ce n'est pas les affaires. Les affaires sont un moyen. Le but, c'est l'école. Il faut que toi, tu te fixes sur l'éducation et que tu confies les moyens à d'autres personnes, à des gens qui sont fidèles. Merci, prophétesse. Je t'en prie. On va remonter. On remonte et puis on va dire merci. Bonsoir, prophétesse. C'est qui? C'est où? Au fait, moi, mon but, au fait, c'est de convaincre la femme noire qu'elle peut être belle malgré sa couleur de peau, sans pourtant l'utilisation des produits cosmétiques. Et des... Attendez. Non, attendez d'abord. N'applaudissez pas, moi j'aurais pas applaudi. J'aurais pas applaudi parce que la formulation me dérange. Convaincre la femme noire déjà qu'elle peut être belle, ça me pose un problème. Bon, pas peut-être convaincre, mais faire comprendre à la femme. Non, c'est pas le convaincre là, c'est le peu qui me pose problème. C'est pas qu'elle peut être belle.
Première chose. Et le malgré la couleur de sa peau m'agace encore plus. Parce que ça voudrait dire quoi? Que la couleur de ta peau est un défaut, c'est un problème, mais tu peux l'accepter et aller au-delà. Or, c'est absolument pas un défaut. Donc, autant je suis d'accord avec ce que tu veux dire, avec l'idée que tu as, autant la formulation, je ne m'inscris pas dans ton projet, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Donc, reformule-moi ça pour que demain, si j'ai les millions, j'ai envie de te donner d'accord. ça. D'accord. Au fait, mon but, c'est de faire comprendre à la femme noire qu'elle est belle malgré sa couleur. Et qu'elle est belle dans sa couleur de peau sans pourtant utiliser les produits contenant l'hydroquinol. Parce que dans mon pays, Attends, on va reformuler ça bien. Hmm? Parce que c'est une vision qui nous touche, nous tous. Donc, il faut qu'on formule ça bien pour que tu fasses ça bien. Voilà. Donc, ton but, là, c'est une revalorisation de l'identité de la femme noire à travers une acceptation de sa personne et de sa couleur de peau. Tac. Il faut que je me fasse payer maintenant pour faire ça. franchement, c'est du boulot. Et puis je vous donne ça comme ça gratuitement. Et puis vous n'écrivez pas en plus. Et après, vous allez me dire, oh, prophétesse, tu avais dit quoi? J'avais oublié. Oui, voilà, parce que dans ton pays... Oui, parce que dans mon pays, au fait, les gens se disent qu'on est belle parce qu'on est de teint clair. Mmh. Et la majorité des femmes se mettent à utiliser des produits contenant de l'hydroquinone. C'est pas que chez toi, même chez moi aussi. Voilà. Et à des imperfections de la peau. Mmh, d'accord, c'est bien. Donc, ce que j'ai dit là, écris-le. Ne dis plus ton malgré là, ça passe pas. D'accord. On avance. On remonte ici. Ok, et puis on remonte ici. Oui, vas-y. Bonsoir la prophétesse. Bonsoir. Moi, mon but, c'est d'avoir une carrière de ciment. De? Carrière de ciment. De ciment. Non, ça, c'est pas ça ton but. Ça, c'est un moyen. Pourquoi tu veux du ciment? Pourquoi tu veux avoir une cimenterie? Pourquoi tu veux avoir du ciment? C'est pas juste pour aller acheter. Pourquoi tu veux du ciment? Non, je veux avoir une carrière de fabrication. Maintenant, pourquoi tu veux avoir une carrière de fabrication de ciment? Parce que ça fait partie de mon domaine, en fait. Ok, ça, on a compris. Maintenant, pourquoi? Bon, demain, comment tu t'appelles? Reine. Allez, demain, Reine, tu as 5 carrières de fabrication de ciment. Et puis quoi? Le pays a gagné quoi? Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le fait qu'il n'y ait pas de carrière de ciment? Parce qu'il y a beaucoup de... C'est surtout les étrangers qui en ont. Qui ont les carrières de ciment. Ouais. Et toi, ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Et par rapport au prix également. Oui, ça, j'ai compris, je sais. Mais pourquoi ça t'énerve? Parce que tu estimes que il est normal que dans une nation, les locaux soient prioritaires par rapport aux ressources de cette nation-là. Ce que tu veux, c'est que les gens de ta nation aient le droit et la possibilité d'acheter du ciment de qualité et de se bâtir des maisons de qualité. Pourquoi? Parce que c'est chez eux. Donc, ce n'est pas d'abord le ciment, ce sont les gens. Vraiment, je vais commencer à me faire payer pour vous raconter ce que je vous raconte là. Oui, on continue. Bonsoir. Chut. Bonsoir. Bonsoir. Par rapport à la question que vous avez posée, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait que la jeunesse ne soit pas, dans mon pays, je dirais, ne soit pas vraiment amie avec la publicité. La quoi? Publicité. Publicité. Ça, c'est quoi ça? On dit aussi la publicité, bon. Bref. Ah! Parce que si je vous dis ce que j'ai entendu, j'ai entendu autre chose. Ah ok, la pudeur. Oui. Mamie. Bref, et peut-être essayer de... c'est déjà l'objectif. Et peut-être essayer d'insérer dans le système éducatif comme... Donc toi, c'est la morale des gens qui te posent problème. Oui, okay. En quelque sorte. D'accord. Avançons. Bon, j'ai entendu autre chose, je vous dis. Bonsoir prophétesse, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ils vont bien. Moi c'est la sœur Nicole d'Agadir.
Donc, ah, tu es jolie, soit dit en passant. Merci. J'aime bien sa couleur de peau. Moi, je suis togolaise. Bon, ce qui m'énerve chez moi, c'est de voir nos mamans qui ferment leur boutique parce que les agents d'impôts sont là. Et quand ils ferment, elles n'ont pas le droit d'ouvrir leur boutique. Les gens du multimédia, là, quand ils posent leur question, montrez-les, qu'on sache que c'est moi qui ai posé la question. pourquoi? À cause des impôts. Oui, à cause des impôts. Donc, moi, je pense qu'elles n'ont pas, elles ne savent pas comment faire pour calculer les impôts. Elles ne connaissent pas l'intérêt de payer les impôts. Donc, moi, j'aimerais bien les aider par rapport à ça et qu'elles n'aient plus droit à subir la fermeture de leur boutique et arrêter leur activité pendant un certain nombre de temps. Maintenant, il faut que tu trouves le moyen de me dire tout ce joli discours-là en une phrase. Parce que, imagine que demain, toi et moi, on se rencontre à l'aéroport de quoi? Une grande ville. Mais de Singapour. Tu vois? Je suis là comme ça, je passe. Voilà. J'ai 2 heures d'escale. Je viens de l'Australie où j'ai donné une conférence de 2 jours sur les responsabilités familiales au sein de la société du 21e siècle. Et puis, je pars. Voilà. Je pars en Corée. C'est laquelle Corée déjà? Du Sud. Faut pas se tromper. Voilà. En Corée du Sud pour une. Et puis, je te rencontre. Tu vois? Je n'ai pas le temps d'écouter tout ce que tu vas me raconter là. Je n'ai que 5 minutes à te donner. En 5 minutes là, il faut que tu puisses me dire tout ça en une phrase. Donc ton prochain exercice avant la fin de cette conférence là, viens me voir pour me dire, pasteur, j'ai trouvé, voici la phrase. La conférence finit demain. Donc tu as jusqu'à demain pour trouver ça. Redis-moi ça en une phrase parce que j'aime ton histoire là. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Avançons. Bonsoir à tous. Moi c'est Emmanuel Ngueba. J'ai une question juste après ça, mais je voudrais savoir, moi je pense que j'ai des buts. Donc, mes buts se focalisent sur l'aide à mon prochain, mais dans 3 domaines différents. La santé, l'hébergement et l'éducation. Est-ce que je dois dire ça comme ça? Personne ne va te voler l'idée. Déjà, leur propre vie, là, c'est déjà lourd pour eux. Il ne faut pas ajouter pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Personne ne va voler ton idée. Alors, dans la santé, c'est focalisé sur. Il n'y a pas d'hôpital assez reconnu au Gabon. Je suis gabonaise. Et j'aimerais avoir non seulement un hôpital reconnu au pays, mais également à l'extérieur. Où des gens, non seulement j'aurais du matériel adéquat pour parvenir. Mais des médecins de qualité aussi. Voilà, il y a ça. Voilà, on va aussi dire, je pars au Gabon me faire soigner. Ok. Donc ça, c'est pour le côté santé. Dans le côté enseignement, c'est construire des écoles où non seulement on enseigne la bonne morale, mais ce n'est pas moi qui va gérer ça. Moi, je veux seulement, je construis et puis je te laisse gérer. Et dans le côté, je ne sais pas, l'hébergement, c'est plus par rapport aux étudiants. Maman, avant, elle me disait, il y a des gens qui s'est déplacés d'autres pays pour étudier au Gabon, mais ce n'est plus d'actualité maintenant. Et comme... Il y a des gens qui ont cette idée d'innover l'éducation au Gabon. Je vais mettre en place comme l'hébergement là où je suis en ce moment, des trucs comme ça pour les étudiants qui seront maintenant au Gabon pour faire leurs études. C'est comme l'autre là, c'est Maï, non? Bailleur de fonds. Il faut que tu sois riche. Toi, tu es là pour donner l'argent pour que des gens qui ont des projets puissent les faire. Mais non, c'est que ça que je fais la médecine en fait. Pour que tu sois riche. Mais non, ma question c'était, si tu as appelé à, je ne sais pas, un ministère ou je ne sais pas, à autre. En général, quand on dit si, c'est parce qu'on l'est. Donc restons dans une question hypothético, voilà, si... Tu es appelé à un ministère? En quoi, comment est-ce que je vais l'utiliser à... À faire l'hébergement et tout ça. C'est très simple. Quand tu es pasteur, tu vas rencontrer tout ce petit monde-là. Et en les rencontrant, tu sauras mieux leurs problèmes. Et quand tu sais mieux leurs problèmes, tu sauras mieux les aider.
Si tu n'es que médecin, tu peux ne pas rencontrer un étudiant qui n'est pas malade, mais qui a un souci d'hébergement. Tu vas le rencontrer où? Il ne va pas aller à l'hôpital. Tu ne vas voir que des médecins. Mais quand tu es pasteur, tu vas rencontrer et les médecins, et les étudiants. Et puis l'autre, c'est quoi déjà? Il y en avait trois. Médecine. L'éducation. Et puis voilà, les étudiants qui viennent étudier. C'est un moyen que Dieu met en place pour que tout ce que tu dois rencontrer, là, vienne à toi. Dans mon porte-clés à moi, c'est la famille, voilà, c'est la famille. Et puis, il y a beaucoup de... souvent, il y a le porte-clés, non? Et puis, il y a beaucoup de ronds comme ça. J'ai beaucoup de ronds comme ça, tu vois? J'ai beaucoup de ronds comme ça. Et dans l'un de mes ronds, là, c'est la restauration de l'identité de l'homme noir et le relèvement de l'Afrique. Mais je ne peux pas aller dans tous les pays d'Afrique. Ça tombe bien. Tous les pays d'Afrique sont venus à moi. Tu vois? Donc, si je n'avais pas été pasteur, ça aurait été compliqué. En plus, si je n'avais pas été pasteur ici, si j'étais pasteur chez moi, on allait se retrouver nos concitoyens. Tu vois? Et j'aurais été obligé de devoir voyager. Mais alors que quand je suis ici, tous ceux que je dois rencontrer là, ils se déplacent vers moi. La preuve, vous êtes là. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de vous mettre à disposition l'information, de vous dire voilà comment ça marche, voici comment il faut le faire, voici comment voilà. Et si vous faites ça, vous aurez tel résultat. Et vous, vous avez compris. Demain, vous allez rentrer chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec la vision que Dieu vous a donnée là, je vous ai donné une méthode. Vous allez simplement l'appliquer. Et puis ce que moi je veux là, vous allez le faire en faisant ce que vous aussi vous voulez. Donc à la fin, ce que moi je veux, le relèvement de votre nation et du continent, va arriver. Toi, tu vas, quand tu donnes l'hébergement aux gens qui viennent étudier, tu es en train de relever ton pays? Quand tu t'assures qu'il y a des hôpitaux de renom qui soignent les gens correctement, tu es en train de relever ton pays. Et si ton pays est relevé, c'est un peu de ma vision qui est accomplie. Tu vois? C'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis que quand l'un est en train de parler, taisez-vous et puis écoutez. Parce que ce qu'il raconte là, c'est peut-être la suite de la phrase qui est dans ton cœur. D'accord? On continue. On est par là-bas. Shalom tout le monde. Shalom. Lui David de Fès. C'est lui David. Oui, c'est toi qui as levé. Oui, oui. Il y avait une chemise blanche à côté de toi, c'est pas. Non. Ah, c'est levé pour okay, moi, en fait. Et moi, mon but, c'est le remaniement de la culture gabonaise par les valeurs chrétiennes. Ah, c'est un remaniement. Mon frère, il faut nous expliquer tout ça. Là. Bon. Le terme sera encore un peu compliqué. Faire une acculturation de la culture gabonaise en utilisant le christianisme. Que ce sont les enfants du pasteur Max, ils aiment parler de grand français. Oui, oui. Explique-nous donc, tout ça bien. Que la culture gabonaise soit formée et conforme aux valeurs chrétiennes. Ok. Donc, comme un peu comme on fait la diversité. C'est quoi déjà? La culture du royaume dans sa diversité, c'est ça, hein? Ok, d'accord. Ah, tu as jamais assisté à ça? Avant, on faisait les journées culturelles à l'église. Moi, je séchais encore. Tu dis quoi? Je séchais encore. Oui, tu séchais. Tu étais encore de l'autre côté là-bas. Tu n'étais pas encore de l'autre. D'accord. C'est bien. C'est bien. Mais il faut que tu connaisses alors la culture de ton pays. Oui, oui. Et plus... que tu connaisses aussi les cultures de sorcellerie, tout ça, tout ça. Et oui. Que tu sois prêt. Donc, en fait, en fait, ce que tu es en train de dire, tu vas t'attaquer à la coutume. Mais plus je vous écoute, mieux je me sens dans mon fauteuil. Tu vas t'attaquer à la culture. Oui. Et c'est un géant. Tu viens de quel pays, tu as dit? Gabon. Que la force du Seigneur soit avec toi. Eh bien, on avance, il y avait une main levée quelque part au milieu ici. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, avec ce que vous avez dit, je pourrais formuler le but de ma vie ainsi. C'est contribuer à la démarginalisation de certaines couches sociales dans mon pays. Bon, je dirais couches professionnelles. Ok. Les agriculteurs. Ok. Par... le moyen, c'est par l'enseignement, la formation et la valorisation de leur métier. Ok, c'est bien.
J'aime bien tout ce qui est lié à l'agriculture. Tu viens de quel pays? Du Burkina Faso. C'est bien. C'est bon ou bien les choristes là, c'est bon, il y avait des... Les gars, on finit bientôt. Oui, ah oui, justement, je t'avais oublié. Shalom. Shalom. Moi, c'est Trésor d'Agadir. Le Trésor d'Agadir, en tout cas, il s'est bien présenté. Donc, les Gadiris, là, voici votre trésor. Ok. Vous allez un peu m'aider à formuler. Je vais dire ce qui m'énerve, au fait. Ce que je pense que je peux faire quelque chose pour changer. Bon. Le fait que la spiritualité soit un peu associé à la médiocrité. C'est pas un peu, mon frère, c'est à la pauvreté aussi, la pauvreté. Plus tu es pauvre, plus tu es humble, tu vas aller au ciel. Bon, mais ça m'énerve aussi. Oui. Ah, je ça commence vraiment, déjà. Je suis vraiment énervé. par exemple, l'école. Bon, plus tu es engagé dans ton église locale, plus pour les autres, tu es un peu... Bon... À la fin de l'année, tu n'es pas censé être excellent, en fait. Parce que tu partais à l'église. Oui, parce que tu partais à l'église. Et pour te donner des conseils, c'est il faut plus être engagé dans tes études et tout. Maintenant, la deuxième chose, c'est que le fait que l'évolution technologique ou bien l'innovation technologique entraîne la dépravation, je dirais, ou bien éloigne plus de Christ que n'approche. Le fait qu'il y ait des réseaux sociaux, des choses qui sont accessibles, Ça nous donne de plus nous éloigner que de nous approcher. Tu fais quoi comme étude? L'ingénierie. Je fais le génie informatique. Alléluia. Ta solution est dans ta main. Tout ce dont tu as besoin, là, c'est de créer une version chrétienne de YouTube, de Spotify, de Netflix, de tout ça. Parce que ce qui t'énerve, en fait, c'est pas tant les réseaux sociaux, mais c'est ce qu'ils véhiculent comme idée et comme message. Mais c'est normal. Souvent, on leur en veut. Oh non, quand tu mets sur tel espace, machin, il y a beaucoup de publicité de telles choses. Mais c'est lui, ils ont créé ça pour faire la publicité de telles choses-là. Ils n'ont pas créé ça pour nous, les chrétiens. C'est nous qui sommes allés nous greffer à leurs choses. Quand ils créaient, là, ils ne pensaient pas à nous, ils pensaient à eux. Donc, il est normal que quand tu es en train de suivre un film chrétien, qu'il y a une pause où on voit, ou une publicité où on voit des gens dans des poses douteuses. Il ne faut pas te fâcher. Faut pas, en fait, c'est eux-mêmes qui doivent même se fâcher contre nous. Parce qu'on ne nous attendait pas là-bas. Mais ils n'ont pas fait ça pour nous. Donc, toi, c'est ça qui t'énerve. Le fait que quand tu es enfant de Dieu, tu ne puisses pas avoir accès à un espace de divertissement sain qui respecte ta foi, qui te pousse toujours plus proche du Seigneur. Tu es dans l'informatique. Crée-nous une application. Mets en place YouTube. Mets en place l'équivalent de Netflix. Plonge dans le divertissement. Comme avec des ordinateurs, tu peux nous créer Hollywood aussi pour que nous aussi, on ait accès à des films qui sont chrétiens. Voilà. L'une des choses que moi, je fais, j'écris des romans. Quand je suis dans le monde, il y a un genre de roman que j'aime. J'aime lire les Harlequins. Qui connaît les Harlequins ici? Hey, tu connais les Harlequins? Les Harlequins, c'est un genre, c'est n'allez pas vérifier. C'est pas bon. C'est un genre de livre, c'est des romans à l'eau de rose. Mais souvent, c'est très osé et très poussé. Et moi, j'aimais bien lire. C'est pas le côté osé et poussé, parce que j'aimais les belles histoires d'amour qu'on y racontait. Et puis, je suis devenu enfant de Dieu. Et j'en achetais vraiment. Je pouvais en acheter 10 par semaine. J'en achetais vraiment. Oui, j'en achetais vraiment. Et puis, quand je me suis dit non, faut que je m'attache vraiment à Dieu de tout mon cœur, la première chose que Dieu m'a dit, il m'a dit les livres et la musique. Donc, j'ai pris tous mes livres d'Harlequin. Ça peut peut-être arriver 5 000 dirhams. J'en avais vraiment. J'ai tout mis dans un sac poubelle. Je suis allé déposer la benne à ordures et passer. Le camion de poubelle est passé et ramassé. J'ai supprimé toute la musique païenne de l'ordinateur. Mais parfois, j'avais envie de lire une belle histoire d'amour. Mais j'en trouvais pas. Il y avait des livres sur comment chasser les démons. Il y avait des livres sur comment adorer. Il y avait des livres sur comment évangéliser. Il y avait des livres sur comment rester saint. Mais il n'y avait pas de roman chrétien écrit par un chrétien qui parle d'une histoire d'amour où on vante les valeurs chrétiennes. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que moi je fais? Je sais écrire. J'ai commencé à écrire. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, je sors mon premier roman. C'est pour que, c'est-à-dire, comprenez quelque chose.
Dans le monde, on aimait faire certaines choses. Je crois que parfois on ne comprend pas bien. Ce n'est pas le fait d'aimer là qui pose problème. Ce sont les choses là qui posaient problème. Aimer une belle histoire d'amour, c'est pas un problème. Maintenant, c'est où tu lis cette histoire d'amour là qui est un problème. Parce que ce que tu vas lire là, tu vas adopter les valeurs qui sont développées là-bas. Je crois que Dieu a mis cela en nous. C'est normal, c'est du divertissement. On doit se divertir aussi. Vouloir suivre un film, c'est pas mauvais. Mais quand la société en face te propose un film qui ne cadre pas avec tes convictions ça et tes valeurs, ça devient compliqué. Mais on ne peut pas en vouloir à la société. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Au contraire, ils sont là pour nous créer des problèmes. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau film qui est sorti, dites-vous que le but, c'est pour que le chrétien qui le suive là, puisse abandonner la foi. Réfléchissez comme ça. Donc, quand tu te mets en face d'un film produit, joué, réalisé par des païens, faut pas même quand on dit que non, c'est chrétien, il ne faut pas t'attendre à ce qu'à la fin, l'Esprit Saint te dise, oh mon fils, alléluia. Non. Parce que même dans son chrétien, là, on va trouver le moyen de glisser quelque chose, une petite phrase. Mais on ne peut pas se plaindre. C'est eux qui ont tout ce qu'il faut. Le monde cinématographique là, est tenu par les gens de ce monde. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir notre équivalent? Quand je vois, le lundi, la sœur Maud, il y avait le slam qui passait et puis elle était en train de mimer le slam qui passait. Je pense qu'il y a des gens parmi nous qui sont doués pour faire du théâtre. Pourquoi ils ne deviennent pas acteurs et qui font pour sortir des films? C'est-à-dire, on est tellement dans un mode de réflexion étriqué qu'on s'est dit, le but que Dieu donne à ma vie ne peut être que spirituel et biblique. On oublie que Dieu nous donne la Bible pour qu'on puisse simplifier la Bible et la mettre dans toutes les ramifications de notre vie. Donc, je vais m'assurer, moi, que quand quelqu'un viendra sur ma plateforme, c'est-à-dire quand il va venir suivre un film produit par moi, qui suis chrétienne, qui croit dans le mariage, qui suis contre le divorce, cette personne va sortir de là avec des valeurs en se disant « Ah, donc, on peut vaincre le divorce. Donc, malgré les problèmes qu'on peut avoir, on peut résoudre les choses. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible m'enseigne. Mais si j'avais dit à cette personne-là, « Oh, viens, on va lire la Bible ensemble. Dieu est contre le divorce. » Elle allait dire non. Mais je me suis rendu compte qu'un jour ou l'autre, elle voudra suivre un film. Alors, je vais lui apporter l'évangile à travers ce qu'elle aime. À travers ce qu'elle aime. Quand je me rends compte que non, il y a un problème au pays, il y a un problème de transport et tout. Je mets en place une compagnie de bus et tout ça. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre une télévision où on passe des messages bibliques? Absolument rien, c'est ma compagnie. Donc quand tu montes là, tu sais que non, il y aura un message dedans. Peut-être que les gens vont pas écouter, mais un jour, il y a un qui va écouter, il va donner sa vie au Seigneur. Et je vais m'assurer que non, ce soit une compagnie où le receveur ou le chauffeur sont des gens qui sont nés de nouveau. Où il y a même un gars, mais lui son travail là, c'est aide au salut. Donc il est assis là. Quand il fait, oui, le matin, il est là. Donc, vous êtes trois employés. Le chauffeur, le receveur, plus l'aide au salut. Quand tu es en train d'écouter, quand tu commences à pleurer, tu pleures pourquoi? Non, le message m'a vraiment touché. Tu veux accepter Jésus. Dans le bus, on te fait accepter Jésus. On prend ton nom, on prend tes coordonnées. C'est-à-dire, dans tout ce que... Nous n'avons pas compris que la Bible, c'est d'abord la parole de Dieu. Ce n'est pas un papier, c'est une parole. Et une parole, là, tu peux lui donner la forme que tu veux. Donne à la Bible la forme d'un bus qui sillonne les villes de ton quartier. Donne à la Bible la forme d'un puits qui a été creusé dans ton quartier où les gens viendront avoir de l'eau potable. Donne à la Bible la forme de la lumière, l'intensité du courant. Donne à la Bible la forme qu'il faut pour résoudre un problème pour qu'au travers de cette solution-là, les gens soient sauvés. C'était même quoi ta question déjà? Je pense que j'ai beaucoup répondu à la question. Là. C'est bon. C'est bon, hein, d'accord. Le trésor d'Agadir. Allons là-bas. Oui, Yati. Moi, je dirais que c'est relever l'état émotionnel de la jeunesse. Relever quoi, l'état émotionnel de la jeunesse? Tu es de quelle nation? Du Bénin. En tout cas, beaucoup d'encouragement, cher. Allons-y. C'est le cœur brisé aussi. Parce que c'est tout ça là. Tu vas voir que quand tu vas commencer le cœur brisé, tu vas finir avec moi. On va rentrer dans les histoires de famille. Parce que c'est très souvent dans les familles qu'on brise le cœur. Donc tu vas arriver à la... Commence déjà à te former tout ce qui est d'ordre familial là. Commence à étudier la famille chez toi, ça marche comment, ça fonctionne comment? Bonsoir. Bonsoir. C'est la sœur Elise. Mon but, c'est la valorisation de l'éducation extrascolaire.
scolaire pour les jeunes et la restauration des relations entre les enfants et leurs parents. C'est deux choses. Donc ça veut dire qu'il manque une chose qui lie les deux choses ensemble. On revient encore au porte-clé. Tu ne peux pas avoir à la fois dans la même phrase. Elle est où? Elle a disparu. Hein? Tu ne peux pas avoir à la fois dans la même phrase éducation extrascolaire et puis restauration relation parent-enfant. Il faut qu'il y ait un troisième cerceau qui les attache ensemble. Et c'est ce troisième cerceau-là qui est ta vision. Les deux là, les deux cerceaux que tu as cités là, c'est juste deux manifestations de cette vision-là. Mais il faut que tu trouves le troisième là. Demande à Dieu qu'est-ce qui lie les deux là ensemble. Quand tu vas trouver ce qui lie les deux que tu as cités ensemble, tu auras trouvé le but de ta vie. Mais c'est déjà bien. Au moins tu as déjà deux cerceaux. Mais il y en a qui n'ont rien. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Emmanuel et mon but est d'assurer une qualité de soins meilleure à la population gabonaise. Médecin aussi? Ouais. On a beaucoup de médecins au Gabon, c'est bien. C'est bien. Yaya, tu as dépassé une là. Médecin aussi. Pharmacienne. Vous avez la même famille là. Bon, oui, je voulais un peu rejoindre son idée. Juste que pour moi, c'est un petit ajout, je peux dire ça comme ça. C'est de faciliter l'achat et l'accès pour toutes les bourses aux soins médicaux et pharmaceutiques de qualité. C'est la même chose. Ok. Je vais regarder quelque chose. Pardon. C'est même quand. Trouver le moyen. Je ne sais pas, demain ou je ne sais pas quand. Réunissez-vous par nationalité. Et puis, que dans chaque groupe, chacun dise sa vision. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos visions-là sont les mêmes. Dit avec des mots différents. Et commencer à travailler en réseau. Si on avait continué, on serait arrivé à ce niveau-là. Pour réussir sa vie, il faut savoir réussir avec les gens. Parfois, on est tellement convaincu que oh, on est juste entre étudiants ici, moi je vais chercher. Mais pour l'instant, tu n'as pas, il n'a pas. Mais dans 5 ans, tu ne sais pas ce qu'il aura. Si tu le négliges maintenant, peut-être que dans 5 ans, c'est lui qui sera le directeur de mon chien dont tu as besoin. C'est pour ça, mettez-vous en gens de même pays et puis discutez ensemble. Et voyez dans quelle mesure l'idée que toi tu as, l'autre là peut t'aider à accomplir cette idée. Pour l'instant, vous êtes tous au même niveau. Il n'y en a aucun ici qui a l'argent pour commencer. Mais vous avez tous les idées. Tu ne sais pas ce que l'autre va devenir demain. Les ministres de demain, là, ce sont les étudiants d'aujourd'hui. Donc, discutez ensemble maintenant. Ayez les numéros des gens maintenant. Maintenant. Il ne faut pas dire non, dans 10 ans, dans 15 ans, il n'aura plus ton temps, ça ne sera pas la méchanceté. Donc, trouvez le moyen de le faire. Parce que quand je vous écoute parler, là, c'est des mots qui sont différents. Soit c'est exactement la même chose avec des mots différents, soit c'est deux pans de la même histoire. Donc, si on met les deux ensemble, là, on a un travail plus grand qui est abattu. Ne partez pas comme ça. C'est important. Sinon, vous allez passer, vous allez perdre du temps. Oui, avançons. L'heure est déjà écoulée, presque écoulée. Oui. Bonsoir, prophétesse. C'est Harris de Marrakech. Il est où? Je suis là. Ah, je te cherchais, Simon. Harris de Marrakech. Bon, moi, mon but ultime, c'est la restauration des vies brisées au travers de l'entrepreneuriat en RDC. Et là, je me base plus sur la jeunesse et le phénomène Kuluna. J'entends pas très bien. Tu te bases sur la jeunesse et... La jeunesse et le phénomène Kuluna en RDC qui gangrène la société. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux briser le système où on forme le créateur, où on forme, pardon, le chercheur d'emploi. Moi, je veux former des gens à devenir des créateurs d'emploi. C'est-à-dire, je vais leur permettre de pouvoir acquérir toutes les compétences, par exemple, dans le marketing digital, dans la finance, dans la vente, qui est la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Donc, je veux leur permettre de pouvoir acquérir toutes ces compétences afin de pouvoir sortir de ces phénomènes Kuluna qui gangrènent vraiment la société congolaise. OK. Merci. On évolue, on avance. Là, vers les choristes, ici, il y a beaucoup de... Passons, j'ai une question. C'est qui, ça? Elias. Ah, le micro, là, ça va vite. Hein. Mais il y a deux micros. OK, d'accord. Bonjour, pasteur. J'avais une question.
tout à l'heure, vous avez parlé d'un indicateur pour au moins découvrir sa, son but. Vous avez parlé de la frustration par rapport à son pays. Disons que je ne suis pas né dans mon pays. Et vous avez parlé d'un deuxième indicateur, vous avez parlé de la famille. Toute famille n'est pas parfaite, bien sûr, mais tout semble être bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un indicateur en plus pour découvrir ça? Ça, c'est le premier volet. Deuxièmement, disons que ma frustration par rapport à la frustration que j'ai par rapport à mon pays, voilà, c'est la réalité de mon pays. Mais moi, j'évolue ailleurs. Et rien ne me rassure que, du moins, peut-être je vais dire ça comme ça, Dieu ne m'a pas forcément dit que je veux rentrer un jour. Et tous les pays n'ont pas la même réalité. Est-ce que le fait que j'ai la frustration par rapport à mon pays, est-ce que mon but doit obligatoirement s'accomplir dans mon pays? Yep. D'accord. Jésus a dit quoi? Il est venu d'abord pour les brebis perdues d'où? De la maison d'Israël. Et si vous avez suivi Arise, première édition, le fardeau de la liberté, j'ai dit ceci. La liberté a deux volets. Un volet individuel, mais un volet aussi sociétal. Et aussi longtemps que tous ceux de ta race ne sont pas libres, quelque part, tu n'as pas été totalement libéré. Demandez à Moïse. Il s'est enfui de l'Égypte, mais Israël est resté en Égypte. Il est revenu en Égypte. La liberté, là, ce n'est pas un seul qui est bien. C'est tous ensemble, nous sommes bien. Donc, même si tu es né, je ne sais pas, à Katmandou, que tu n'as jamais mis ton pied chez toi, c'est chez toi. Et ton sang va te rappeler que c'est chez toi. Je dirais même mieux. L'endroit, vous savez, l'endroit où tu es là va te rappeler que ici, ce n'est pas chez toi. On va te le. Ce n'est pas méchant, mais c'est la vérité, ce n'est pas chez toi. Peu importe là où tu es. Nous, parfois, on est frustrés. On peut être frustrés. Ce n'est pas chez toi. Et là où tu prends conscience que ce n'est pas chez toi, que tu le veuilles ou pas, tu vas chercher un chez toi. Parce que tu n'es pas une espèce de pot de fleurs qu'on déplace. Aujourd'hui, tu es ici. Non, tu es un arbre qui doit être planté quelque part. Tes racines, elles sont plantées où? Tu ne peux pas aller te planter chez les autres. Non, tu te plantes chez toi. Tes racines, tu les déploies ailleurs. Mais par tes branches. Mais dans ton sol, il faut qu'il y ait tes racines. Et nous, tout ça, nous sommes enracinés dans nos nations. Dans tout ce que je fais là, je veux que la Côte d'Ivoire puisse en profiter et qu'elle se lève. J'aimerais que demain, les familles en Côte d'Ivoire soient des familles solides où chacun a sa place, où voilà, où c'est bien fait. Bien sûr, ça va toucher d'autres choses. Mais je veux que chez moi aussi, ça change. Donc, c'est comme ça. Même si, moi, j'ai pas grandi chez moi. J'ai quitté chez moi, j'avais, je ne sais plus. C'était il y a longtemps, c'était en 2000. J'étais à peine adolescente. Je connais plus le Maroc que chez moi. Quand je vais chez moi, je connais l'aéroport, la maison de mes parents. Si tu me mets ailleurs dans Abidjan, je suis perdu. Donc si je prends un taxi, je vais dire envoie-moi à l'aéroport. De l'aéroport, je vais dire envoie-moi chez moi. Je ne peux pas prendre un taxi d'ailleurs et puis aller chez mes parents. Je ne connais pas la route. Je connais la route de l'aéroport à chez mes parents. Pour vous dire à quel point, je n'ai pas grandi là-bas. Mais n'empêche que les problèmes de chez moi ne sont pas liés au fait que j'y ai grandi ou pas. Les problèmes de ton pays ne se trouvent pas dans le fait que tu y as vécu ou pas. Les problèmes de ton pays sont dans ton sang. Peu importe l'endroit, c'est comme la malédiction. La malédiction attachée au sang. Peu importe l'endroit où tu vas, si on a dit des paroles méchantes sur ta famille, ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as ce sang-là. Et ton pays est sous une malédiction. Donc, peu importe l'endroit où tu vas, d'une façon ou d'une autre, tu vas être frustré. Tu n'as jamais été là-bas. Tu ne les as jamais vus. Mais quelque part là, il y a une insatisfaction. Et tant que les gens de chez toi n'ont pas été relevés et restaurés, tu ne seras pas en paix. Tu as beau être chez les autres, tu as peut-être même la nationalité, tout ça, même 50 ans, 60 ans. Moi, je ne me sens plus chez moi, ce n'est pas chez toi. Parce que ton sang n'est pas de là-bas. C'est ton sang qui nous dit d'où tu viens, ce n'est pas là où tu habites, ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier, c'est ton sang. C'est comme ça. Donc, peu importe l'endroit où tu es, tu dois investir chez toi d'une façon ou d'une autre. On a tous eu un Éden qu'on doit cultiver et garder. Ton Éden peut pas être le jardin de quelqu'un d'autre. C'est toujours le jardin que Dieu t'a donné. C'est comme ça. Donc toi qui voulais changer de pays là. Oui. Je lis la question de quelqu'un en ligne. Afin d'arranger les choses, sommes-nous obligés de nous associer avec nos compatriotes ou bien on peut s'associer avec quelqu'un d'un autre pays? Parce que dans mon cas, dans le cas de celui qui pose la question, la jeunesse de mon pays m'exaspère.
Moi j'ai une question. Toi-même qui t'es dit que toi, tu ne les exaspères pas au cousin. Eux aussi, tu les exaspères. Tu les énerves aussi, ils t'énervent. Trouvez un moyen de vous entendre pour ne plus vous énerver. En notre cas, écoutez, dans le relèvement de ceci ou de cela, il faut faire la part des choses. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne veux pas que vous me racontiez. Non, Dieu m'a dit, un ange m'est apparu. Je veux des choses simples. Parce que quand vous allez travailler là, vous n'allez pas travailler qu'avec des chrétiens, vous allez travailler avec des païens. Et si vous n'êtes pas capable de leur donner votre vision sans employer des versets bibliques, ils ne travailleront pas avec vous. Ils auront l'impression que vous voulez faire l'église, alors que tu demandes de faire l'église. Tu ne vas pas venir dire non, et quand je me base sur Malachie, le Seigneur a dit, apportez la maison du trésor, toutes les dîmes et les offrandes, et tout ça, tout ça. Donc moi, je veux, sur la base de Malachie, que la corruption s'arrête. Ils vont dire, nous, on n'est pas ici pour faire l'église. Nous, on veut s'assurer, si on essaie, tu vas nous payer à la fin du mois. Oui, je vais nous payer à la fin du mois. Donc, toi, tu sais qu'il y a Malachie, mais ils n'ont pas besoin de savoir qu'il y a Malachie. Vous allez travailler avec des païens. Même si le but, c'est que Christ soit élevé, mais ça va se faire avec des païens. Donc, sachez faire la part des choses. Business is business. Church is church. Ne mélangez pas les choses. Vous avez compris? Voilà. Et même quand on travaille avec des chrétiens, là, le business, c'est le business. On signe un contrat. Hein? Voici ce que dit la loi. Voici ce que dit le contrat. Chaque 5, je te paye 10% de la chose. Si tu voles l'argent, le contrat dit que tu vas aller en prison. Il n'y a pas une affaire de non, mais on chante ensemble la même chorale. Tu as volé, tu vas en prison, tu as ouvert une chorale là-bas. Okay. Bonsoir, prophétesse. J'avais une question, c'est par rapport à l'accomplissement de la vision. Ma question était de savoir si c'est possible d'accomplir sa vision sans exercer toutes les grâces que Dieu nous a données. C'est-à-dire si quelqu'un écrit ou dessine ou fait quelque autre chose. Est-ce que c'est possible qu'il puisse pleinement accomplir sa vision sans tout exercer? Je dirais que non, si Dieu t'a donné ce que tu en as besoin. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde saura que tu sais dessiner. Il y a des choses que Dieu t'a données là, ce n'est pas pour que les autres sachent, c'est pour ton épanouissement personnel. Tu vois, tu es là comme ça, bon, tu fais quoi comme étude? Management des entreprises. Voilà, donc il y a une entreprise qui est là, que tu as du mal à manager et tout ça. Et tu es stressé, tu n'arrives pas à trouver la solution. Tu as un don, le dessin. Tu as commencé à prendre ta planche, tu as commencé à dessiner. Pendant que tu dessines là, tu vas commencer à réfléchir différemment. Tu vas te sentir léger, tu vas te déstresser, tu vas trouver la solution. Ça dit ça, c'est le don que Dieu t'a donné pour que face au problème, tu puisses te calmer. Il y en a, c'est la musique. Là où ses cheveux vont commencer à chanter, il va commencer à... Il y en a, c'est le sport. Oui, faire le sport, la mine de rien, c'est un don aussi. Donc quand il est bloqué, il va mettre son casque, mettre sa tenue de sport, il s'en va courir ou bien il s'en va faire la natation. Et puis, ça y est. C'est fini, ça va venir. Moi, quand je suis bloqué, il faut que j'aille faire la cuisine. Il faut que j'aille faire la cuisine. Quand je vais commencer à cuisiner, là, le ciel va s'ouvrir. Et ça va venir. C'est comme ça. Chacun a son truc. Donc, ça ne veut pas dire que je vais commencer maintenant à préparer aux conférences d'été. Non, non, Dieu m'a donné un don. Prochain, quand je suis à la cuisine. Non, ça, c'est pour mon épanouissement personnel. Je ne vais pas ouvrir un restaurant où je serai et maman. Non, je ne vais pas aller faire ça. Dieu m'a dit de faire ça, donc je vais rester dans ça. Mais j'ai tout exercé. D'accord. Merci. Deux, beaucoup. Et puis on arrête là. Oula. Ah non, toi, tu as déjà parlé. Tu as déjà parlé. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Fred Thomas. Mon problème, c'est. J'aimerais que, comment on appelle ça, révaloriser la politique. Voilà, selon la vision des jeunes, au fait. Okay. Parce que j'ai l'impression que, de nos jours, les citoyens ou les jeunes ont tendance à voir la politique comme quelque chose de mauvais, au fait. Alors que la politique, est ce que mène déjà un pays où le pays veut aller, au fait. Voilà, donc mon idée, c'est de redonner une nouvelle image de la politique, voilà, de la politique, au fait. À la jeunesse. Voilà, à la jeunesse. C'est bien, tu auras besoin de courage, mon cher. Choufa, juste à côté là, qui lève sa main. Bonsoir, prophétesse. Gardez vos questions, bonsoir. On a atelier encore demain, vous allez poser pour ceux qui n'ont pas de questions. Parce que je pense que c'est important qu'on résolve ce problème-là. Ça sert à rien de vous donner toutes les clés. Si déjà le numéro 1, là, vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie. Oui. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir, tout le monde. Moi, pour ce qui est de mon but, c'est de relever l'image féminine dans tous ses aspects. Mais pour ce que vous venez à peine d'énoncer, ce qui nous frustre, moi... En tout cas, dans mon pays, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes ont honte de chez eux, c'est-à-dire de leur maison.
S'ils ne sont pas aisés, ils ont honte de présenter leur maison aux personnes avec qui ils traînent. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange le plus parce que, bon, les personnes que j'ai côtoyées, ils avaient beaucoup du mal à m'emmener chez eux. Alors que moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai vraiment envie d'aider les jeunes de chez moi à accepter leur maison, à accepter leurs conditions. C'est vrai qu'on ne va pas forcément s'y plaire, mais à se dire que, bon, il y a mieux. Et puis, c'est là où je suis, donc je dois accepter. Et j'ai envie de faire la liaison entre relever l'image féminine et... Et puis et ça. D'accord, il faut trouver le moyen de me dire tout ça en une phrase. Mais il n'y a pas de liaison. Faut que je passe sous le boulot, quoi. Ce qui te pose problème, c'est l'estime de soi. Le fait que les gens aient une mauvaise image d'eux-mêmes. Leur identité n'est pas d'abord liée à qui ils sont, mais à l'environnement dans lequel ils évoluent. Et en particulier pour les femmes, parce que quand elle aura du mal à t'envoyer chez elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lancer dans la prostitution pour avoir un meilleur chez elle. Et ça prend toutes sortes de formes, la prostitution. Sortir avec les maris d'autrui, devenir seconde femme, devenir ceci ou bien se lancer dans une entreprise bizarre. Tu vois? J'ai fait la liaison. Donc l'offrande, là, tu donnes ça bien. Allez, une dernière question. Ils sont où? Où est le micro? Où sont les micros, là? Où? I, c'est qui? C'est moi. Oui. J'avais presque la même question que Choufa. Moi, mon but, bon, j'en ai deux. On ne peut pas avoir deux buts, on en a un seul. Bon, un seul, mais je veux chercher la liaison. Le premier, moi, ce premier volet, c'est l'amélioration, bon, la défense et la promotion des droits de l'enfant dans le domaine de la santé. Et le deuxième, c'était les relations rétablies. Mais quand tu dis amélioration, là, ça existe déjà? Non, la défense. C'est ça, tu as dit amélioration des Non, par l'amélioration des services pédiatriques. Ah, c'est pas ce que tu avais dit. Non, c'est la défense et la promotion des droits de l'enfant dans le domaine de la santé par l'amélioration des services pédiatriques. Ah, ok, d'accord. Et le deuxième volet, c'est la restauration des relations affectives entre parents et enfants. Mais je reviens à la défense de l'enfant. Là. Tu sais ce que dit la loi? Tu connais les lois qui défendent les droits des enfants? Tu es en train d'apprendre. Et puis, deuxième volet, c'est quoi? La restauration des relations affectives entre les parents et les enfants. Et puis, tu veux que moi, je trouve la liaison? Il faut aller chercher la liaison. Voilà. Ça vous a donné une idée de comment on sait ce qu'on doit faire sur la terre. Nous avons entendu beaucoup d'entre vous ici. Tout à l'heure, là, on va prendre encore une pause. Après, on va prier, on va écouter la parole et tout ça. Demain matin, quand vous allez vous lever, commencez déjà à réfléchir. Même quand vous serez en train de manger, là, commencez à réfléchir. Demain, on va continuer. Mais commencez déjà à réfléchir. Vous avez entendu les corrections que j'ai eues à faire par rapport à X ou à Y. Est-ce que ça vous concerne? Toi, tu ne sais même pas. Vraiment, moi, je ne sais même pas où est-ce que je vais. Dieu peut te le dire là, maintenant. Je vous ai donné un indice et vraiment, c'est l'un des meilleurs. Quelle est ta frustration la plus frustrante? Attache-toi à ça et commence à te demander comment au travers de ça je peux trouver ce à quoi je dois servir. Il n'est pas normal, ce n'est pas normal à la fin de cette conférence-là. Si tu n'as rien retenu, au moins tu sais à quoi ma vie doit servir. Parce que c'est ça que tu vas multiplier. Ce n'est pas les orphelinats, ce n'est pas les mangins. C'est ça que tu vas multiplier. Et si tu ne sais pas ce que tu dois multiplier, tu as la connaissance de Christ. Mais c'est quelle grâce que tu dois multiplier? La connaissance de Christ, elle est déjà là. Dieu a déjà pourvu pour cela. Mais tu vas la multiplier par quoi? Par la grâce qu'il t'a donnée. Et tu dois connaître quelle est cette grâce-là. Tu dois connaître le talent que Dieu a mis entre tes mains. Pourquoi Dieu t'a créé? Quand Dieu te créait là, il a pensé à quoi? C'est une question. Tu ne peux pas zapper ça. Tu ne peux pas vivre comme ça sans savoir le pourquoi de ta vie, le but de ta vie. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas ce but-là. Sinon, tu seras dispersé à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu seras partout. Et à la fin, tu n'auras rien fait de concret. Parce que tu peux ouvrir des orphelinats, créer des restaurants, des ceci. Mais aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Pourquoi? Ce n'est pas là-bas qu'il t'a appelé. Alors, ne perdez pas votre énergie à multiplier les tâches. Trouvez votre couloir, restez-y. Courez-y. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Diakounès Belinda de venir prier pour nous. Est-ce qu'on peut se lever à prier pour nous?
Père, nous te rendons grâce pour cette session, pour cet atelier. Seigneur, combien enrichissant. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu as déversée dans nos vies. Merci, Seigneur, pour l'intelligence, Seigneur, renouvelée de chacun au milieu de nous. Seigneur, pour les lumières, Seigneur, que tu nous as accordées. Je prie réellement, Seigneur, que alors que plusieurs parmi nous ont découvert leur vision, Seigneur, qu'ils puissent s'attacher à cette vision-là et qu'ils puissent, Seigneur, se donner les moyens, Seigneur, de pouvoir accomplir ce à quoi tu les as appelés. Seigneur, durant cette semaine, tu nous as rappelé que ta grâce est disponible, Seigneur, mais que nous devons travailler. Alors, permets que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions retrousser les manches pour commencer à travailler afin de pouvoir arriver là où tu nous appelles. Seigneur, merci également pour tes serviteurs qui nous enseignent depuis le début de la semaine. Seigneur, que ton esprit continue à reposer sur eux et que ton onction, Seigneur, soit renouvelée dans leur vie. Merci pour ces temps de pause également, Seigneur, que nous puissions rester dans le même esprit, Seigneur, de prière et de réflexion, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, multiplier les grâces que tu as déversées dans nos vies. Au nom de Jésus, amen.